Et messieurs, dames, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Draken sur Ivasound Studio. On se retrouve ce soir pour du Valheim, on va attaquer le troisième boss et nous balader un petit peu. Mais bien sûr, je suis toujours accompagné de mes chers amis et collègues Jake, bonsoir Jake. Bonsoir. Et également de monsieur Imra, bonsoir Imra. Et bonsoir. Et monsieur Wedjos ne sera pas là ce soir, du coup nous allons jouer sans lui. Shame on you. J'ai vérifié au passage, Jake, je suis bien en 60 fps pour le stream. Côté OBS, est-ce que tu te souviens, on en avait parlé en off. Oui, mais tu pouvais les baisser. Bah là je suis à 60 et pour le baisser il faut que je coupe le stream et que je le relance. Mais en gros, c'est que si t'es en jeu à 30 FPS, ton stream à 60 FPS, il sert à rien. Ouais, ok, d'accord. Ouais. On y pense pour les prochaines fois. Et bon. Ouais, ouais. Bah, là, en fait, je suis à 60 quand on est à la... Enfin, je suis à 60 en dehors de la base. Et messieurs, dames, vous allez comprendre pourquoi. Oui, je suis mais bien on spawn, comme ça on fait la visite directe, mais on commence du spawn. J'arrive. Ah, tu veux... Oui, bah... Ah oui, du spawn, donc attendez... Non, vous... Du spawn, ouais. Attendez, je vais me connecter. Par contre, c'est la nuit. Par contre, oui, du coup, le jeu, ce n'est pas Borderlands que vous allez voir. T'as lancé Borderlands? Non, c'est... En fait, dans les fenêtres, ils gardent la dernière fenêtre en date. Ah, en plus, j'arrive au moment où il y a une sauvegarde. Donc... Je vérifie, je vois bien mon micro bouger, on m'entend bien sur le stream, vous ne me voyez pas pour le jeu, c'est normal. Je vais récupérer des trucs avant. Alors. Tac, tac, tac. Le spawn. Où qu'il est le spawn? Vous êtes où? Bah au spawn. Ah oui, oui, oui. Mon trône. Oula. Serveur est pas content. Je vais commencer le potager en vrai parce que j'en ai pas un moment. Vas-y. Faut pas le dire. Ils savent pas encore, on a fait une ferme agriculture. Hop. Là, j'ai un tracteur. Allez, c'est parti pour un stream de Farming Simulator. Alors... C'est rigolo, n'empêche que plus tard dans les technologies, on a un animal qui est le laboureur. Comment ça s'appelait? Bah les vaches... les chevaux de... Chevaux de trait, non? Ouais, chevaux de trait, oui, c'est ça. Ouais. Alors... Stylé. Bonjour monsieur. Ah oui, t'es toujours pas habillé, toi. Oui, je suis tout nu, messieurs, dames. Enfin, je suis pas tout nu. Parce que si, parce que oui, on a farmé beaucoup, on a fait du stuff, et si je mets mon stuff, je me déplace 10% moins vite. Ok. Donc ça c'était notre là où nous sommes morts, nous sommes nés, on sait pas trop. Voilà. Yes. Donc ça la baraque on l'avait déjà. Voilà, ça on l'avait déjà vu. C'est la tour de bienvenue. Hop là, avec des anciens stuff, des anciennes armes qui sont pas encore recyclées qu'on va pouvoir recycler. Il y a de quoi réparer à l'étage simplement, hein. C'est pas upgrade mais juste simple. Voilà. Et quand on traverse, on peut apercevoir déjà la grande base. Voilà. Alors, à droite, on y va après. Mais déjà, oui, on peut être accueilli, on peut attendre la charrette des transports en commun. On a un petit arrêt de bus. Là. Le siège en paille. Oui. Avec de quoi grignoter, hein, parce que nous avons des buissons à framboises. Oui. Alors, c'était pas prévu, mais ils sont là. Alors oui. Voilà. Petit aparté, on a beaucoup farmé en off. Un petit peu. Bah là, je crois que le dernier stream avait coupé jour 79-80, on est quasiment jour 300. Hein. Oui, autant vous dire que sur Steam, il m'a marqué, vous avez joué 39 heures sur 2 semaines. Ouais. Alors, on va commencer par là-haut. Souvenez-vous, ici, il y avait une cabane en bois. Oui. Il n'y a plus de cabane en bois. Voilà. Nous avons les fameux potagers. Donc, nous avons du potager avec des légumes très bien alignés. Je sais toujours pas comment ça fonctionne. J'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. Nous avons des légumes. Nous avons une espèce de toilette qui va disparaître parce que c'était un essai de champignons qui ne fait pas pousser des champignons. Là, c'est le cabanon de jardin. Voilà, le potager, cabanon du potager. Et Imra, c'est il fait le jardin, quoi. Et comment ça fonctionne le jardin en fait? Combien de temps ça pousse, voilà, tu navet, et en gros tu plantes et comme ça je vais commencer à faire là. Donc là je plante des navets pour avoir des graines et tu peux planter des graines pour avoir des navets. Mais quelle est donc cette chose à côté de nous, Jake? Quelle chose? Avec une pancarte, gros machin. Ah oui, ouais, c'est un petit délire entre nous, mais voilà, il y a des rochers naturels qu'on a laissés, on leur a donné des petits noms. Donc nous avons la famille Roger, qui est un petit peu éparpillée partout. Derrière là-bas, il y a cousin Roger qui se cache, il est contre le mur. Nous avons Roger Junior, where is cousin... Ah oui, cousin Roger, cousin Rocher, voilà, cousin se cache. Alors vas-y. Ensuite... Le coin cuisine et métallurgie donc, a été reculé et a un style un peu plus joli. Coin cuisine très cosy. Oui, en effet. Avec de quoi faire des grillades, de quoi faire des soupes, des potions, des hydromels, de la bière. Non, pas de la bière, pas, je crois pas. Pas encore. Hop. On a des grands coffres qui... par rapport à avant, c'est devenu des grands coffres avec des choses un peu plus classées. En effet. Ensuite ici, nous avons une maison de repos, une salle de repos, où en fait c'est là où il y a nos lits. Pour éviter d'aller péter au spawn, bah, il y a nos lits là. Alors ça reste temporaire, ici c'est un temporaire à durée indéterminée. Ça sera amélioré, voilà. C'est une petite cabane de lit avec un peu de confort. C'est vraiment quand on meurt, on revient ici. Quoi. Nous avons prévu de faire un building... Putain. Ensuite la métallurgie. Oui, l'hôtel plutôt. La métallurgie avec forge et fonderie. D'ailleurs, on va récupérer le fer. Ouais, on a un peu farmé les minerais. Oui, voilà. Alors, vous voyez, ici, c'est les coffres. Alors, c'est des coffres à combien emplacements? Emplacement doublé, je sais plus combien c'est exactement. Il y a beaucoup. 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4 sur 6, donc 24 emplacements, vous avez un coffre de full, plus, enfin full de fer, plus un autre coffre à moitié rempli. Nous avons beaucoup farmé, messieurs, dames. On aime bien les marées. Oui. Donc là, derrière, c'est la porcherie, l'élevage, avec un petit sas. Voilà, pour jamais si les sangliers s'échappent, et malencontreusement des fois ils arrivent à s'échapper. Et avec un observatoire pour les observer. Ça, on s'entraîne au tir. Et ça c'est la pierre de sanglier qui avant était à la frontière de notre base, donc vous voyez qu'on a quand même un peu agrandi. Et pour rester roleplay, on a dit que les sangliers devaient être à côté de la pierre de sanglier. Donc on a beaucoup de sangliers et si je dézoome... Ah non ça va, ils sont pas en dessous. Il y en a une dizaine, une douzaine là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et derrière c'est un accès de derrière de la base et c'est par là que les sangliers adoptés sont rentrés. Voilà, on a fait le chemin avec quelques sangliers. Du coup toujours avec fermer la porte. La petite pépinière. Hop là, pépinière derrière où on plante, on coupe du bois, on plante du bois, on coupe du bois, mon dieu, je vais me faire bouffer par les sangliers. Wow, normalement ils sont apprivoisés, ils nous attaquent plus je crois. Oui, 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 non, j'ai juste failli. Ah non, il n'y a aucun danger. J'ai failli tomber. Alors, oui, nous avons farmé, messieurs dames. Nous avons beaucoup de bois, de pierre. Attends, je remets un peu de charbon. Hop. Ceci n'était que 10% de notre base. Monsieur. Ensuite, nous avons... bon, bah, en vrai, des abribus, il y en a un peu partout. Hein. Nous avons une banque. La banque qui sert à déposer toutes les compos hors métal, hors cuisine. Des loot bots, des items d'invoque, du cuir, des os, de la résine, des trophées. Plein de choses différentes. On est pété de thunes. Des trésors, etc. Et les trésors, on a quand même 6 lignes de 40 d'ambre. Hein. Ouais, ouais, mais c'est au fur et à mesure qu'on loot, on amène ça aux marchands pour vendre et faire de l'argent. Voilà, c'est au bout d'un moment, on sait plus quoi en faire. Ah, bah. À l'étage, c'est l'armurerie, avec stock de différentes flèches, des arcs, des armes-mains, un coffre à torche, ça sert toujours. un coffre à stuff qui est pas très rempli, mais c'est normal parce qu'on est le stuff il est sur nous. Ouais. Et canne à pêche que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs, faudrait que je l'essaye. C'est pas ouf, hein. J'ai utilisé, c'est pas ouf. Je vais essayer, en général j'aime bien. Hop là. Ensuite on a un bâtiment d'artisanat avec l'établi, la forge up au niveau maximum actuel. Et à l'étage, il y aura un futur étage où l'escalier est déjà existant, extérieur. Ça sera la suite de l'artisanat parce qu'on aura une troisième table d'artisanat plus tard, pas pour de suite. Et le craft en pierre, bien sûr, pour faire des murs de pierre, des escaliers de pierre, etc. Alors ensuite, nous arrivons dans la place centrale. Ensuite, ici, nous avons une salle des portails. Avec des portails à destination temporaire qu'on voilà. Par exemple, quand on a un marais, on finit un marais, on va à un autre marais, on change de portail, etc. Oui, parce que j'ai pas encore montré la carte. Oui. Oui, on va montrer la carte après. Là, c'est le parking charrette. En gros, c'est un gros abribus, mais pour charrette. Nous avons à l'étage des portails d'autres portails. Un portail, le portail du marchand, celui, toujours, mon portail portatif qui sert de salon de coiffure. Alors c'est pas un vrai salon de coiffure, c'est juste pour le jeu de mots portatif. J'avais pas fait gaffe. Tu sais que plus de 80% des coiffeurs font des jeux de mots avec leur... Oui. Alors ici oui, t'as oublié de dire qu'on avait Big Roger. Ouais, et là donc c'est Big Roger qui a pris un petit coup, hein, on sait pas trop ce qui s'est passé, je pense que ça doit être, vu le trou, ça doit être un troll, mais il a lui lancé un caillou. Ah. Et Big Roger est pas moché. Ah, ici on a deux portails portatifs. Là, deux portails portatifs de Wed et d'Imra. D'ailleurs mon portail portatif n'est pas sur moi, faudrait que je le récupérer. T'as même toi pas Draken, portail portatif? Non, j'en ai pas. Faudrait t'en faire. Ouais. Ensuite ici, à l'extérieur, nous avons un autre essai de champignons qui n'est pas concluant. Non plus. Mince. Ouais, une champignonnière. Et un extérieur, pour l'instant on sait pas trop où le mettre, c'est un oblitérateur, ça sert à recycler. Pour l'instant ça nous donne plus du charbon qu'autre chose, hein. Ouais, c'est pas du vrai recyclage, c'est un incinérateur qu'un recycleur. Attention. Et ça peut, et le problème c'est que cette zone, cette chose, voilà, fait des dégâts autour d'elle quand on l'active. Et c'est la foudre de Thor, c'est Thor, il nous lance un éclair dessus. Voilà. Donc des fois il est gentil, il nous donne un charbon. Ouais. Des fois il est pas gentil, il nous donne rien. C'est ça. Hop. Toujours fermer les portes. Alors du coup... Hop là. Ensuite on descend vers le port. Donc première chose au port, porte à gauche, c'est un accès de secours mais tout mignon, avec un autre accès qui donne au portail, avec le radeau qui on sait pas trop où le mettre, donc il est là, mais oh attention la marée. Ouais, il y a une marée montante là, en plus j'ai vu un beau petit poisson là-bas, on va aller nager, on va aller chercher. Ouais, le port. Bref, un port classique, des plus classiques, hein, je crois avec un kiosque au dernier, pour se poser en mode poésie. Ah mais il est fini le kiosque? Il n'y a pas des trucs à mettre en plus? Non, il est fini. Ah, je pensais que c'était un bâtiment en plus, moi. Non, c'est un kiosque. Donc, ouais, là on avait fait un autre bateau, normalement le dernier seul, je crois qu'on l'avait déjà, c'était le Carve. Ouais, le Carve. Le Carve. C'est pas le même Carve, parce que l'ancien Carve a été détruit. Non, c'est l'ancien. Ah bon? Bah si, le Carve a été détruit, souviens-toi, et quand on s'était reconnecté... il avait réapparu, puisqu'il y avait même la chitine qu'on avait laissée dedans. C'est vrai, c'est vrai. Et là, du coup, on a le Carve Big, le Big Carve. Voilà, ça c'est le Drakkar. Voilà. Drakkar qui a plus d'emplacement que le Carve d'ailleurs dans la cale. On appelle ça une soute, c'est ça? La cale. La cale. La cale, merci. Avec des phares pour se repérer de loin. Ah ouais, tu les as pas remontés? Ah si, t'en as mis un autre. En fait, j'ai coupé la poire en deux, comme j'avais dit l'autre fois, parce que il me semble que les deux solutions sont quand même assez simples. Nous avons une capitainerie qui sert à pas à grand chose en vrai, parce qu'une capitainerie dans un port, c'est là où on gère les emplacements des bateaux, c'est comme la tour de contrôle d'un aéroport. Mais en vrai, ça nous sert de stockage de bois. Voilà, bois, pierre, avec une petite terrasse à l'étage. Et si vous voulez embêter votre collègue, vous cassez ça. Non! Et je remonte comment, moi? Eh ben, regarde, qu'est-ce qu'il y a là? J'arrive pas à remonter. Et voilà, oui. Tu sais pourquoi j'ai mis ça? Je sais ça parce que je suis tombé et j'ai mis une demi-heure à reconstruire. À remonter, j'ai mis une demi-heure. Il faut réparer maintenant. Mais là, t'inquiète pas, on va utiliser le bois. Allez, on a plein de bois. Mais j'en ai. Et ouais. Oui. Donc à l'étage, petite terrasse pour regarder la mer. Voilà. Voir des serpents apparaître loin, mais pas ici. Il n'y en a pas ici. Alors c'est bête, c'est qu'on a pile, si on regarde droit devant nous, on a pile le caillou. Ah mais non, c'est... En fait, si tu vas sur la gauche, ouais, mais sinon, sinon t'as la moitié du caillou dans la tête. 5 sur 10, 5 sur 10. Donc là, des piles de bois, bois précieux, bois robuste, pierre, bois classique. Bois classique. Nous avions à peu près 2300 bois. Ouais, le bois il part tellement vite. Nous en avons cassé la moitié. Ouais, le bois ça part très vite. Ah oui. Ensuite, bon, notre abribus, un phare. Derrière, oh, on peut voir une zone de miel et des abeilles, une rucherie. Non, je ne dis pas une rucherie. Je sais pas, c'est le nom que tout le monde disait, une rucherie, je pense pas que ça s'appelle comme ça. C'est pas une rucherie, pas du tout. Je sais plus du tout. Ah, ça passe, hein. On comprend ce que c'est au moins. Ici, c'est quoi? C'est la piscine. C'est la piscine. Ah oui, quand même, c'est une piscine. Un minimum de confort. Base de luxe, piscine. Ça permet de planage. Ça permet de planage. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite, on sort de la base, c'est quand même, ça fait partie de la base, mais voilà, donc l'accès aux ruches. À ne pas taper, sinon on se fait... Ouais. Là-bas, c'est un chemin qui ramène vers l'entrée principale de la base, un autre abribus, et là, on arrive à la salle du Conseil des 4. Hop là. Qui est en fait là où on a mis la cartographie, pour synchro nos cartes entre nous. Bon, les talbis servent pas à grand chose, mais voilà. C'est pas bête, je donne un petit coup de marteau sur mon item. Nos trônes respectifs, avec des tables, du décor, du confort qui est quand même assez important. Le confort c'est important dans le jeu, ça nous permet d'avoir de recharger l'énergie un peu plus vite. Et surtout d'avoir un buff qui dure plus longtemps. Ouais, avec un décor personnel dedans, j'ai mis les crafts de mon portail portatif. Il est où mon coffre? Il est où mon coffre? Bah, il faut que tu te le craftes toi-même, je peux pas le faire pour toi en fait. Si je le fais pour toi, ça fera un coffre à moi et tu pourras pas l'ouvrir. T'es obligé de le faire toi-même. Faudra me dire les compos. T'as essayé sur mon coffre si tu pouvais l'ouvrir ou pas? Oui, oui, j'ai spammé pendant 2 secondes. Non, on peut pas l'ouvrir. Et derrière les trônes, il y a des présentoirs. Personnellement, j'ai fait le choix de mettre la clé des cryptes. Oui. Qui sert à ouvrir le marais que je prends uniquement en cas de nécessité. J'ai pas besoin de l'avoir tout le temps sur moi. Oui, faut dire les places. Toi, tu es serpentard. J'ai pris vert, mais c'est pas forcément serpentard. Hein. J'ai pris vert par défaut. Imra, il a pris bleu pour faire d'aigle, c'est ça? Ouais. Oui, tout à fait. Wedjos, il a pris rouge, Gryffondor. Et moi, j'ai pris noir, Secpa, pardon. Secpa. Voilà. Donc là, en gros, vous savez, je vous dis, j'avais fait 32 heures de stream. Et ben on a passé 32 heures de stream. 32 heures de jeu. Et ben on a passé 32 heures de jeu à être comme ça et attendre. C'est fou, bien sûr. Et par la suite, ici, il y aura une seule et même grande table avec qui va faire un peu plus de confort, mais on n'a pas les compos pour le moment. Ça sera l'objet dans un peu longtemps. Avec tout notre pognon. Regardez là, tout ce pognon. Et alors c'est pas tout le pognon parce qu'en vrai il y en a encore dans le coffre. Regardez, tout ce pognon. Voilà. On est des vikings pétés de thunes. Il y a des petits tabourets à côté du feu, il y a des shops. Voilà, c'est du décor ici. Ici c'est la zone de confort en fait. Ouais. Voilà. Et même si on dit que c'est la salle de stratégie, enfin, vu qu'on est tout le temps sur Discord. Oui. Non mais franchement ça le rend bien, ça fait vraiment conseil de Jarl viking. Ouais. L'idée c'était d'avoir une grande salle mais pas trop surchargée avec de l'espace. Donc voilà. Et après là on revient à l'entrée principale. Néanmoins il y a une troisième entrée ici. Attendez, je savais pas qu'il y avait une troisième entrée. Quelle est la troisième entrée? C'est une sortie de secours. Sortie de fameuse. Et ouais. Autrement dit, de l'autre côté c'est l'accès pompier. Il y a le panneau hein, quand tu tournes la tête. Attends. Le panneau. Accès pompier. Voilà. Et ça nous apporte, on ramène directement à la base avec un escalier. Ah oui. Là il. Ah oui, il est l'escalier. Oui, tu fais des ouais, remparts, des palissades. Oula, par contre faut pas que je meure parce que j'ai plus que 4. Voilà, on a fait le tour actuel de la base. Voilà. Pépé Roger, ici. Where is maman Roger? Ah ben voilà, bébé Roger. Il y a bébé Roger, maman Roger, il y a le Roger inconnu qui prend le, qui a les pieds dans l'eau dans la piscine, il y a Pépé. Roger inconnu? Bah c'était parce qu'on sait pas trop... ah oui, il est là. Pas trop qui c'est en fait. Roger inconnu, j'avais pas vu. Voilà. Bon. Bah non mais on a... vous avez bien bossé. Bah, là il y a quasiment 200 jours de jeu, 200 jours hein, de jeu dans le jeu par rapport à la dernière fois en stream, donc faut dire, sachant qu'une journée je crois que c'est 20 minutes. Exactement. Faut faire le calcul. Voilà. 20 fois 200, voilà. Ça fait beaucoup. Et la base, alors même si elle est déjà grande, il y aura sûrement d'autres choses parce que par la suite il y a d'autres technologies, il y a plein de choses qui arrivent petit à petit et il se peut qu'on fasse aussi des avant-postes ailleurs parce que on peut pas tout planter dans un biome, on est obligé d'avoir des avant-postes dans d'autres biomes pour pouvoir planter les autres plantes, les autres fruits, les autres légumes qu'on peut pas faire ici, quoi. Je vais montrer la map, donc ça c'était avant, c'était ouais. La map qu'on avait. Maintenant voici tout... voilà, alors il y a des coins partout, ne vous inquiétez pas. Et voici la map qu'on a découvert. Donc ici on a normalement de mémoire, je crois qu'on s'est arrêté au marais Triangle. Oui. On était arrêté là et puis on a découvert ça. On a découvert tout ça. Ici il y a la forêt, ici on voit c'est des prairies, donc on n'y va pas tout de suite. On a encore une grosse... les prairies c'est dangereux. Les plaines. Les plaines, oui, oui, je me doute. Ouais. Ouais, plaines. On a découvert l'emplacement des deux... Enfin, les deux emplacements du prochain boss. Donc Mazdos, qui est ici, il y a une petite île. Ou sinon, on a ici un gros marais, mais je pense qu'on va faire sur la petite île. Je pense que c'est plus sage. Je pense que c'est plus sage, ouais. Et alors ici, les serpents des mers, hein. On les croisera bientôt, je pense. Et du coup, bon, on va tous les points... de cartographie, et du coup on a quand même fait, je dirais, un bon petit 10% de la map, hein, globale. En vrai j'en sais rien. Quand je dézoome, enfin après oui, quand tu dézoomes tu vois plus les 150 points partout, mais bon. Et puis derrière, on peut un peu forcer sur les points. Puis maintenant on va passer une heure de stream à se balader sur le fond de la carte, le fond espace. Hop là. Bah écoutez, on peut ce stuff si c'est pas fait, réparer le stuff si c'est pas fait. Ah oui. Prendre de la nourriture. Prendre la nourriture et pas que, parce que il va falloir prendre de l'antipoison. Oui. Parce que le boss 3, Mazdos, bah, il me crache un peu à la figure en fait. Hein. Hop, alors j'ai pris des stocks de flèches de fer au cas où. On a pas mal. Mazdos, les flèches, ça lui fait pas grand chose. Ah oh. Il va falloir y aller au corps à corps, puis esquiver, reculer au bon moment. Il va falloir s'occuper des ZAD aussi parce qu'il va y avoir des ZAD. Les ZAD, à la limite, s'il y a des... Comment ça s'appelle, des... Des limons. Des blobs. Les blobs. Des blobs, merci. Ça, à la limite, à l'arc, ouais, pourquoi pas. Alors, les plats... Hop. Chacun un stack d'antipoison ou pas? J'aurais pris que 10. 10 ça suffit. Je vais en prendre 8. Alors, on prend des potions très revigorantes. Si tu veux, moi j'en prends pas. J'en prends... Je vais en prendre au cas où, parce que j'ai plus que 4 PV, donc je vais manger comme ça, je vais régénérer. Poison et je vais prendre 5 revigorants, je pense. Alors attends, par contre, faut que je les mette dans la barre. Comme ça, au moins, ce sera mieux. Oui, bah moi perso, ouais, je vais les mettre en 7 et 8. Donc oui, alors ne vous inquiétez pas, je suis en 20 FPS, c'est parce que comme il y a beaucoup de choses sur le jeu, on va dire, le jeu est très beau, mais il est quand même pas bien opti, on va dire. Donc je repasserai à 60 FPS, ne vous inquiétez pas. Et on a oublié de dire que oui, avec le farm qu'on a fait, on a quand même pu améliorer le level max tous nos items. Enfin perso, tous nos armes, on s'est fait des armures full en fer, sauf la cape, hein, bien sûr, qu'on a pu améliorer. Pareil, enfin, perso, moi j'ai pris un bouclier, une épée en fer, Jake nous a fait un arc de chasse, on a des outils en fer, donc ils sont carrément mieux pour récolter des items. Et vous pouvez le voir, de toute façon, au niveau, je suis perso, je suis level 42 à la pioche, 51 au coupage de bois. Donc perso, mes niveaux ont un peu beaucoup baissé parce que j'ai un peu beaucoup mouru. Oui, ah oui, oui, bah je suis, moi sur, depuis le début qu'on a lancé le jeu, je suis mort 40 fois. Donc, hop, et dans ça, je peux me lever de l'âge. Du coup, je vais aller prendre mon confort. Hop, on va passer par l'accès pompier. Hop. Moi, niveau item, je suis bon. J'ai 8 potions revigorant, 8 d'antipoison. Je suis réparé full. J'ai 200 flèches de fer, 200 flèches de... Enfin, 299 flèches de fer et 205 de feu. Et vous me dites quand on y va. Faut que je regarde, je sais pas du tout où a été mis le portail. Bonne question. Bah, le portail il est sur la petite île. Ah non, c'est vous avez tagué en crypte. Non, non, mais où c'est qu'il va nous emmener le portail? Il nous emmène sur un boss. En théorie. Je sais pas quel portail c'est. C'est sûr déjà. C'est pas marée 2. On va tester. Alors on avait un portail qui nous... Enfin je crois. Hein. Parce que village... Oula non, tu vois pas du tout. Non, c'est pas... Tu vois pas... Non, c'est pas village, ça c'est sûr. Non, non. C'est pas le bon. Je crois que... Je sais même pas si on a mis un portail en fait. Si, oui, ouais, il en avait mis un, mais je sais pas. Peut-être à son portail à lui. Hein. Oui, son portail à lui peut-être. Je vais essayer. Vas-y, je vais regarder sur la carte pour voir où tu t'en vas. Ouais, c'est celui-là. C'est le portail de Wedjos. Ouais. On est en pleine nuit. Oui, vous pouvez voir les gens qui sortent. On va avoir peur, hein. J'avoue qu'aller faire un boss de nuit, après on peut clean autour. Ouais. Et attendre le jour. Hein. Oui. On va faire ça, je pense. On y va maintenant. Des spectres et tout. Hein. Mm. On y va maintenant, c'est parti. Allez, c'est parti. Ah oui, et il faut dire aussi, on a survécu à pas mal d'attaques d'invasion. Finalement, oui. Oh oui. Ça y en avait pas mal. Alors... Nous voilà sur la petite île. Ouais, du coup, on fait pas les cryptes, on est d'accord. Non. On fait que non. Sauf si vous voulez faire de la démo sur le live. On va peut-être plus tard, mais au moins faire le boss. Après, on décrypte sur le dernier stream, il y en a une ou deux. 60 FPS, oui. Ok. Mais ouais, si on peut clean le marais, surtout s'il y a des... Oh, bien. S'il y a des spawners... je... un peu agréable. Oh, la pierre, je l'avais pas lu. Alors, que dit la pierre? Ayam... Je la connais pas, ça, là. Gudrun. No man, no wife, no father, daughter, les man... Ouais, attention, c'est moi ou c'est des sensus? Ouais, il y en a partout. Il y a des sensus qui arrivent. Oula. Je vais le contrer, laissez-le. Attendez que je le compte avant de taper. Ça permet d'avoir une frame intéressante. Ah. 12h. Oula. Cousin ou ça? Non, 12h. Ah non, j'ai eu peur. Cousin. Cousin, il y a un moustique déjà ici. Ah, et puis de... Oula. Prenez votre potion, n'oubliez pas. Oui, non, mais les potions, les gars, pour le boss, quoi. Économisons. Je suis dégueulasse. Oh, je peux voir l'intérieur du bois. Hop. Je crois qu'ils m'en veulent, hein. Je suis pas sûr. Allez. Okay. Alors on bosse. Ah oui, oui, on a rencontré un nouveau personnage dans les marais. Vous le rencontrez peut-être. C'est un gros arbre qui bouge sur quatre pattes. Ah oui. L'abomination. Ouais. L'abomination. J'espère qu'elle n'aura pas pendant le boss. Hein. Ah bah ça va être marrant. D'où l'intérêt de faire le tour avant. Hein. Mm. Ça va être marrant si... vous avez pris les items pour l'invoquer? Non. On n'a pas pris les os. Attends, on fait après, on fait le clean. Ouais, bah ouais, parce que... Est-ce que t'as les compos de ton portail portatif? T'as pas les compos pour ton portail portatif? Non, j'ai pas pris, j'ai oublié. Ah. J'ai bien fait d'y penser parce que oui. Je suis... Attends, mais ouais, on n'a pas pris les compos. On est parti en touriste, hein, j'ai l'impression. On prend tout sauf le truc pour invoquer le boss. Alors, pour le boss, c'est 10... os atrophié. 10 heures, ok. Alors, perso, ouais, je suis d'accord d'attendre la nuit, enfin d'attendre le jour. Donc il va se faire spoiler là, en plus. On voit ce qu'il y a autour, s'il y a des choses à péter avant. Mais tiens, du coup, question, si on commence de nuit, est-ce que il peut faire spawn des spectres ou autre? Ah, c'est possible. Parce que du coup, si on commence de jour, il va pas faire spawn des spectres. Ah oui, d'accord, on verra. Hein. Ils viennent d'ailleurs. Je crois que le boss en soi il fait des squelettes ou des limons, je sais plus. Mort bouillonnante. Limon, oui, c'est sûr. On a un gros spawner juste derrière, on va le faire. Cuisiner le reste. Il y a un spawner où? Les grosses pierres là-bas derrière, il y a un spawner au milieu. Ah, tu veux qu'on aille le faire tout de suite? Oui. Ah oui, non, on va prendre le risque, on peut le faire. Ah oui. Ah bah c'est un spawner drogue et un spawner squelette. Ouais, toujours deux drogueurs et un squelette en spawner. Sur les zones là. Hop. Enfin, j'ouvre le coffre, Draken. Yes, ah, un rubis, une perle d'or. Ça va. Là-bas il y a un Hoozer au loin, il nous a pas vu. Il vient vers nous, il vient pas vers nous. Que fait-il? Comme disent, qui est mort ne peut pas nous déranger. Ah voilà, le jour se lève. Le jour. Du coup, faut aller chercher les compos pour l'invoquer. Allez, j'y vais. Oh, il y a un spawner. C'est un spawner? Ouais, on va le faire aussi là-dessus. Ah bah des flèches, des piastres, du coup comme ça. Ça je peux déjà les remettre dans les coffres. Bah attends, je te mets des choses dans le coffre. Ouais. À la limite si tu fais un demi-tour. Oui, bah vas-y. Hein. Ça... Pareil, il y a une brasse si tu veux mettre des trucs. Et salut Yoko. Bon. Alors est-ce qu'on peut jouer avec toi? Non, c'est un serveur entre potes, désolé. Hop, vas-y. Peut-être j'ai récupéré de la ferraille. Je sais pas, il y avait une ferraille qui traînait. Voilà. Non, désolé, Bah, le Woozer, non? Sûrement, ouais. Non, par contre, quand on est sur Pokémon Unite, oui, là, vous pouvez venir, les gens, oui. Si vous avez envie. Mais là, Valheim, c'est un serveur entre potes, déjà que le serveur lag un peu beaucoup. Oui, on est que 4 et ça rame pas mal, donc... si on se met à plusieurs, ça va être un peu compliqué. mais tu peux nous regarder en stream. On va faire le troisième boss. Le portail, il faut que je sache, il est là-bas. Ah bah j'ai trouvé un autre spawner, si vous voulez, à l'endroit où je suis. Si ça vous intéresse. Ouais. Je descends. Hop. J'espère juste pas faire spawn une abomination parce que... Hop. Draken, faut baisser la caméra, ta tête elle est trop basse. Oh. Attendez, réglage technique. Hop. Parce qu'après j'ai la lumière dans les yeux et ça fait mal. Il faudra qu'on réfléchisse, mais si la lumière tu gênes, à la limite faudra qu'on fasse un système de lumière indirecte. Ça sera peut-être plus agréable. Alors attends, ah non, le portail il est, ah non, le portail il est plus en haut, mince. Je suis tombé dans quoi. Ouais, enfin après c'est trop longtemps, ça fait mal aux yeux. Mais... ah, je comprends. Hein. La lumière directe, c'est pas. Je suis pas méga fan non plus. Alors, mais il est où le portail? Ah, il est là-bas, je l'ai vu. Il est sur le bout vert. J'ai vu le portail. Ah, ok, là-bas, il est là-bas. Oula, oula, ah oui, le portail est carrément sous l'eau. Comment ça, il est sous l'eau? Bah, il y a une marée montante et puis... Ah. Ça... Il y avait de l'eau qui passait par le portail. Hey, en vrai, ça aurait été trop marrant si l'eau passe par le portail. Tu retournes dans la maison, c'est inondé. Alors, on va aller remettre ça dans les coffres et on va les réparer. Alors... donc oui, là, je suis à 20 FPS, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout en douceur. Ça s'appelle la base V6. Au point où est-ce qu'on en est, je sais plus à combien on va aller en vrai. Hein, parce que je crois qu'au dernier stream, on s'était arrêté avec la base V2. V3. Ou V2, ouais, V3. Ou V3. Hein. Et puis là, on est à la base V6. Oh, oh. Donc 10 os atrophiés. Non, mince, j'ai oublié de mettre les trésors. T'as réussi à l'avoir? Le houblab, ouais. Je vais réparer... T'avais vu autre chose à spawn? Non, j'ai juste vu les deux spawners... Enfin, deux spawners de blob et un spawner de brogueux. De squelette? Oui, squelette, pardon. Oula... On s'est posé la question à un moment, s'il n'y avait pas de spawner de blob, parce que dans des cryptes, il y a eu des cryptes. Ou c'était vraiment une invasion de blocs. C'était une invasion. Il y avait littéralement 6 qui venaient. Hein. Ah ouais. Puis surtout que... ça va encore, c'est heureusement que les blocs ne se fusionnent pas entre eux pour refaire un Hauser. Oh l'horreur. Tu vois le truc là, qui se divise. Tu vois là, tu divises et puis si tu les tues pas assez vite, allez hop. Alors, j'ai ça à mettre à la fonderie. Alors, gadou viscosité, c'est là, ça, c'est là, les plantes, là, les plumes, c'était pas ici, les pièces, c'était pas ici. Faut que j'enlève, tu vois, faut que j'enlève ma... J'ai enlevé mon armure. Je n'aime pas, je me déplace pas assez vite. Je veux courir Keketo. Hop. C'est ton droit. J'ai la piscine, il y a la piscine. C'est un peu frais, mais bon. Alors, hop, les plumes, c'est là. Donc, on est parti. C'est bon, je reviens. Donc, 10 os atrophiés. Hein, j'en ai pris 10. Je vais pas, je pense qu'on va pas s'embêter à faire invoquer plusieurs fois Mazdos. Mais alors du coup, pourquoi nous devons invoquer Mazdos? Ah, parce que c'est le boss 3, c'est le boss vraiment entre guillemets final du marais, et Mazdos va nous donner un item important pour commencer à aller farmer la montagne. La montagne, on peut pas y accéder si on n'a pas déjà d'anti-givre, parce que sinon ben, on gèle sur place, on perd de la vie, on meurt. Mais surtout, si on n'a pas l'item vraiment que le Mazdos nous donne, on peut pas farmer la montagne. Il va nous donner un item qui va nous permettre de trouver, un peu comme l'archéologie sur WoW, qui va nous permettre de trouver du métal qui est sous terre, qu'on ne va pas voir forcément du dessus. Et c'est un truc qui va biper, et on creusera à ce niveau-là, et ça nous donnera le nouveau métal. Ah oui, ouais, un peu comme une vision Réo-X, quoi. Ouais, ouais, c'est une sorte de baguette de sourcier, mais pour du métal, quoi. Tu es un sourcier, Harry. Tu es un sourcier. Alors, j'arrive. Tu es un saucier, Harry. Saucier. Un saucier. Je suis pas sûr, je sais pas quel sens je peux prendre ça, ça peut être très tendancieux quand même. Bah, un saucier de la sauce pour du riz, un saucier à riz. Oh oui, oh la vache, ah oui, j'avais pas compris. Oh, j'avais pas compris ça, elle est bonne, alors elle est bonne. Sur ce registre là. Hein. Je valide, je valide. Alors, Attends, oui, j'attends Imra, oui, j'allais dire, prenez vos potions. Regarde derrière le crâne du boss, t'as une pierre. Ah ouais, je l'ai lu, ouais, il m'a fait cuisiner leur reste. Ah. Ça présage tellement du bon. Ne te mets pas là-dedans, hein. C'est de l'acide. Tu jettes des choses là-dedans pour invoquer le boss, mais sinon là-dedans, c'est pas un bain pour les humains. Ah, c'est conseillé, effectivement. Alors attendez, c'est moi ou j'ai entendu un bloc? Non, c'est les remous de l'eau. Ah non, c'est les bulles de... Bon, du coup, on peut prendre nos potions tout de suite? Oui, oui. Au moment où tu les jettes les os, on claque là. Bah moi je prends... Moi ça te fait restuff parce que t'es à poil. Oui, c'est vrai. Un accident aurait pu malencontreusement arriver. Pas de catastrophique, quoi. Hop. C'est parti. Restez à proximité, je fais le premier pouvoir. À quoi il ressemble, Mazdos? Ouais, c'est rien. Ça tremble. Ah, ça... Oula, ah bah d'accord. Ah oui, mais il spawn sur nous, quoi. Ah oui, en effet. Par contre, dites-moi quand il faut reculer, parce que... Bah, tape, évite les AOE si tu peux les éviter. Moi, j'attends les coups du GM. Ah oui, ah oui, oui, il pique. Il pique. Ah. Je crois qu'il brûle là. Ouais. Je régène, hein, faut que je régène parce qu'il m'a fait mal. Si je régène trop lentement, ça va être... Aïe! Je suis à 3 FPS. Non mais non, t'es full là. Putain... Je suis obligé de reculer. Ouais, moi aussi, c'est très très long à régénérer, même avec la potion. Pas grand chose, hein. Même avec la potion, c'est magique. On peut pas le contrer, le boss? Ça n'a pas l'air. Je back. Vas-y, back. Oh la vache. Regarde Draken. Ouais, là on s'en va. Ouais. Ah maintenant il lance des choses maintenant. Il balance des boulettes de caca. Donc là on va faire la technique du je tourne autour du poteau. Là ouais. Une technique ancestrale qui marche plutôt bien en général. Ah il a fait une vague. Ah il spawn. Ouais. Ah il y a squelette. Ouais, mais il y en a juste un qui arrive à chaque fois pour l'instant. Bon, les flèches ça lui fait que dalle. Hein. Ouais, c'est... je mets juste pour le brûler, ça fait quelques dégâts en plus. coller, il fait la zone. Je me casse, je me perds. On a fait la moitié de sa vie, on est déjà en galère. Ouais. Et on est full stuff, c'est ça le pire. On est full stuff faire. Ah oui, oui, bien sûr. J'ai réussi une esquive. Première fois. Compliquette. Ah, la musique est bien stylée, hein. Ouais, ouais. Ça donne bien, ça, je préfère celle-là aux deux autres boss. Ça fait vraiment stressé. L'inconvénient, c'est qu'on est plus reposé, donc on aurait dû prendre un truc de repos. Moi j'ai encore 2 minutes de repos. Faut que je recule. Et le pire c'est que j'ai... Je sais pas où, mais moi j'ai pris la position de machin là. Ouais, on a non, mais faut juste pas grid, hein. Faut patienter, attendre que tes PV remontent et... Hop. C'est un boss de patience, hein. C'est pas un boss qu'on peut bourrer, hein. Moi je suis pas passé. Oui, pareil. Fais gaffe, il m'aura fait gaffe. Allez, on a fait presque 2 tiers. En tout cas, le skin est pas mal, hein. Il fait vraiment Mazdos. Ça, y a pas à dire, il porte bien son nom. Ah, phase 2, non? Oh non. Pourquoi tu prends le phase? Parce qu'il m'attaque. Ah, bonjour, il y en a. Putain, bien que mes PV remontent, mais ils ont pas trop envie. Mm. Donc, j'essaie de lui donner des coups, Jake, ouais, t'es fou. J'ai failli. Ouais. C'est à côté. C'est bon, son point faible c'est à l'arrière. Ah non. 40. Ouais, s'il a vraiment un point faible. Je sais pas, à un moment, alors non, c'est qu'on l'a tapé à 3 alors. Il donne 3 coups et on recule. Pourquoi je l'ai contré? Ça a pas marché, je pense. Là, je me demande si on fait plus de dégâts avec les gourdins. T'es mort, hein, Luc? Non, on est pas... On est là, pas très bien, juste... mais on est pas, ouais, on est pas très bien, là faut... Ouais, faut régénérer. Là, ils sont bons pour le moment. Il a fait son coup. Ça, c'est bien, vomi. Il vomit. Elle vomit. On balance ton caca. Le squelette qui spawn en l'air là. Le squelette qui spawn en haut du totem là. Eh hey, regardez les copains, je suis là-haut. Ouais, bah qui reste là. Lui il nous dérange pas. Je vise comme un pied. Allez, on régène. On peut le faire. Oh, il jette vraiment de la boue par contre, hein. Si on met la vague. Allez, ok, je recule. Oh la vache. Presque comment on grille pas, on temporise. Fais attention sur toi, Jake. Mag. Et dire qu'il va falloir le refaire après pour, avec Wedjos, c'est encore plus compliqué. Il aura un peu plus de temps. Il va falloir le farmer lui, hein. J'espère qu'il donne du bon loot. Bah il donne une diapason. Et un petit indispensable. Et c'est un diapason pour tous ou c'est un diapason... Un par personne, comme pour la clé des... Ah oui, comme la clé aussi. Il fait sa vague. Dès que la vague disparaît, je retourne au claque pour le finir. Ouais. J'attends aussi quelque part. Attention Jack, cool, attention. Ah. Allez. N'oubliez pas de remettre vos potions hein, si j'ai besoin. Ouais. Ouais, il reste 50 secondes, pas besoin. On recule Draken. Derrière lui. Allez. Le dernier coup. Oui yeah. La masse arrête de bouger. GG, la vache, ouais, il est long lui. Hein. Ouais. Il est où le pognon? C'est ah, Serge. C'est moi qui ai ramassé ce que j'étais dessus. Draken, viens là. Ouais, il y avait du loot dans l'eau. Oui, mais c'est des... Vous avez tous eu le diapason là? Attends, je lui donne. Non, moi je l'ai pas eu. Donc là, ouais, là je l'ai eu. Bouge pas, Guillaume. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Donne-le aussi à Draken comme ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Trophée Mazdos. Bon, juste trophée collecté. Ah. Les eaux et une substance visqueuse maintenues ensemble par une force invisible. Ah bah oui, il faut l'offrir au pierre sacrificiel. Pour le pouvoir. Alors, apparemment, un os de cet ossuaire vivant dans un ventre était un bréché. Cet os contient une magie puissante qui peut vous guider à des caches sous la terre. Il peut détecter les filons d'argent, mais peut également vous mener à un trésor enfoui. Merci, Hugues. Voilà, on peut rentrer à la maison. Eh ben... On est d'accord que chacun de nous trois a le bréchet. Okay. Ouais, j'ai le bréchet, ouais. Pour mon côté, je l'ai. Ah ben, parfait. Et ça tombe pile poil parce que la nuit, elle commence à tomber. Ouais. Je me demande comment ça aurait été avec des spectres ou des drogueurs. Non merci. ça aurait été bien marrant. Donc du coup on va pouvoir farmer l'argent. Quand vous vous reconnecterez, vous n'aurez plus de montagne. Pas sûr par contre, parce que c'est un peu galère l'argent. Ouais, l'argent c'est plus long que le fer. Oh, il y a un trésor là, pas loin. Oui, tu peux déjà équiper ton item, Draken, et alors l'argent n'est que dans la montagne, par contre on peut avoir des trésors dans tous les biomes. Il est où? Ah donc, et là il faut creuser ou... Là où ça se mettra à biper très vite. Comme l'archéologie dans WoW, dans le principe. Hein. Ouais. Je sais pas, tas de boue. Alors tas de boue, s'il est marqué tas de boue, c'est que c'est clair. Parce qu'en vrai, le fer, il n'y en a pas que dans les cryptes. Il y a des tas de boue sauvages cachés quelque part dans les marais. D'accord, donc ouais, c'était le tas de boue en fait. Et c'est difficile à trouver. Hein. Ouais, c'est hyper dur. Oula, il fait froid. Reprends la maison. Night. Eh ben, on va reprendre un peu de manger parce que ma bouffe elle est partie. Ouais. Rentrons vite à la maison. Exactement. Attention, il y a des sangsues, Jake, t'as une sangsue juste derrière. Non, il me rappelle, pardon. T'inquiète, je nage. Je peux même pas faire. Un bain dans le marais en pleine nuit. Pas mal. Après, il faut dire ici, c'est pas vraiment des sangsues, c'est plutôt des vers de terre mutants mangeurs d'hommes, hein, on dit en bas. Là, sur d'une taille conséquente, ouais. Il reste à manger dans le coffre devant le portail, je sais pas si c'est normal. C'est la Wedjos. Ah oui. Alors... C'est parti, rentrons dans la maison. Alors... je ne veux pas aller déposer les poisons, déjà la potion de poison, enfin anti-poison. Ouais, là les potions de poison on peut les reposer. Alors, artisanat, réparation. Il y en a du charbon. Faisons le charbon. Ah mais ouais, mais ah oui, du coup quand on équipe le diapason, on peut pas, on n'a pas le mating George. Non. Ouais, il y a soit l'un, soit l'autre d'actif. Ok. Bon, je vais remettre le mating George pour le moment. En vrai, quand on parle de la montagne à plusieurs, qu'un seul et le bréchet, ça suffit. Comme ça, les autres mettent le Make Ginger et ça permet de porter plus de choses. Ouais, bah ouais, je veux. Tout seul, c'est. Donc, tout seul, tu peux faire le bréchet, après tu switches. Ouais. Hop, on est fou. Et je repose. Je repose les deux potions. Moi j'ai les potions à poser. Je sais plus ce que je suis en train de récolter. Et on prenait les potions du givre tout de suite au pire. J'en ai pris 5 sûrement, ouais. Ouais, il faut les prendre. Potions d'endurance. Poisson. La fermentation qui nous permet d'avoir des potions. Hop, j'ai dit, je prends un stack. On a fondu tous nos minerais, trop bien. Yes. Du coup, là, j'ai remis pas mal, j'ai remis 200 de bois. Comme ça, on est bon. Régénère rapidement l'endurance, ouais. J'ai gardé quand même 4 potions d'endurance, tiens. Ça... Si jamais on est contre des monstres dans la montagne. Oh, il y en aura. Alors, je dépose juste les items et après je dépose le trophée. Os. Non, ça c'est trophée de squelette, c'est ici. Os, c'est là. J'ai une de pierre. On peut pas accrocher le bréchet de manière jolie comme la clé, c'est dommage. Ah, dommage. C'est un item de quête, je pense. Du coup, je vous attends au spawn. Au spawn? Bah oui, ah oui, c'est vrai qu'on a le trophée pour le sort, monsieur. Zappé, oui, en effet. Mais oui, nous avons donc ici Mazdos. Voyageurs, regardez bien donc vos pieds qui foulent notre lieu de repos. Un millier d'os décharnés vous tireront jusqu'à votre tombeau. Et on peut même rajouter, ce tombeau sera votre tombeau. Alors, résistance contre les dégâts physiques. C'est tellement pas joli. Ouais. Alors, modificateur de dégâts, résistant veste tranchant. Ah, on peut prendre plusieurs fois, d'accord. Résistance verte. On peut pas prendre plusieurs fois. On peut prendre des pouvoirs différents. On peut avoir un seul pouvoir. Bah, je sais pas pourquoi il met 3 modificateurs spécifiques. Bah, c'est juste que le pouvoir de Mazdos, te donne de la résistance au tranchant, au coupant et au perforant. D'accord. Ah oui, ouais, donc ouais, je vais le prendre, tiens, au cas où, vu qu'on va devoir aller farmer des loups. Du coup, on part pour la montagne. Bah, sur notre propre continent, on a deux montagnes, gauche-droite. On peut déjà faire ça là. On va faire celle à gauche, elle est plus proche. Gauche. Elle est plus petite, donc je pense qu'on va vite l'avoir terminée. Bah, c'est parti. On prend quand même un portail. J'ai pris de quoi faire un portail. Ok. Ouais. J'ai pensé cette fois. Alors. On peut fermer la porte. Ouais. Prendre le confort. Allez, petit confort. C'est bon. On a tout bien fermé les portes. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, on enlève l'armure. Comme ça, on peut courir plus vite. Ah. Un agré brut sur toi. Ouais, putain, on s'en fout complètement des ningris. Même pas peur. Ouais, ningris maintenant. Ouais. C'est un peu plus à gauche. Ah, il y a un petit peu de marche à faire. Ouais. Après, je suis déjà à moitié de la route, hein. Si vous voulez que je vous mette le portail, vous le prenez, hein, comme vous voulez. Hein. Non, bah non, enfin, vous... le temps qu'on fasse demi-tour, en vrai... Ouais, puis de toute façon, au moins, on up les niveaux de course. Cette forêt ne sera plus une forêt quand vous regarderez le prochain stream. Je sens que je vais te la raser, moi, cette forêt. Mais la nature, les petits oiseaux, les écureuils, il faut bien respecter leur habitat. Moi je veux une autoroute. Je veux aller tout droit, je veux plus faire des détours. Est-ce qu'on peut faire du goudron non, dans le jeu. Juste de la pierre. Mauvais jeu, mauvais jeu. 0 sur 10. Je veux le capitalisme, Jake. Non, 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 non. Ah non, non, non. Je veux faire de l'argent. Je veux faire fructifier mon argent. Mais si, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, fructifier ton argent, c'est tu le places et tu vas gagner plus d'argent. Oh, toujours plus de sous. Ah, par contre, je crois qu'il doit y avoir beaucoup de ningris à côté là. Ah, mais vous êtes beaucoup plus au sud. Ouais, ouais, faut descendre un peu. Ah oui, t'étais vachement monté. J'étais presque en marche automatique. Alors, on remet le stuff. On va penser à mettre du coup la fiole d'antigivre. Ouais. Le diapason et la fiole d'antigivre. Et je vais mettre... Moi le diapason je l'équipe pas, hein. S'il y a un seul dans ce nous-là... Moi je l'ai moi. Ah tu l'as pour... Oh cochonou. J'ai cru voir un loup fuir tout à l'heure, il doit y en avoir un pas loin. Aïe. Qui c'est qui est le plus au nord d'entre vous là? Draken, moi. Imra, ok. Moi je suis aussi au sud. Je fais le tour, okay. J'ai mis aussi le diapason au cas où pour voir ce que c'est. Ça a pas l'air de bip. Alors une potion de givre. Oh, un petit loup en face de moi, messieurs. Je sais plus s'il y a un truc près des cairns ou pas. Les cairns, c'est quoi déjà? C'est les wyvernes? Non, les cairns, c'est les empilements de pierres. Oh, genre je one-shot le loup. Tu sais qu'il y a des pierres qui sont empilées. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Je sais plus s'il y a des trucs à proximité, genre des trésors. Ah oui, oui. Moi j'adore les céréales. Salut. Eh ben, attendez, je suis en plan. Désolé Loulou, t'es tellement beau, je suis vraiment désolé de te faire ça. Ouais, t'inquiète, on va trouver la version mieux bodybuildée après. Et ben j'ai rien trouvé perso. Juste, enfin, j'y pense maintenant, mais on n'est pas dans le bon canal sur Discord. Pas grave, pas grave. Pas dramatique. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui débarquent. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que. Ah bah oui, on voit pas qui c'est. Ça veut dire que sur le stream, on voit pas qui, qui parle sur Discord. Ah, on nous entend, mais on voit pas qui. Regardez. Voilà, comme ça c'est mieux. Ah bonjour. Ah bonjour. Ben, moi, mon diapason, il marche pas très bien. Remboursé, hein, remboursé. Je ne peux pas passer à proximité d'un trésor, ce qui est ennuyeux en vrai, parce que on n'a pas énormément de montagnes, donc... faut espérer que sur la deuxième, il y en a. Parce que... Après, la deuxième est plus grande, donc on aura peut-être plus de chance. On a vraiment fait tout le tour, déjà. Bah, même des méchants, il n'y en avait quasiment pas. Bah, ouais, il y avait 3 loups, quoi. Ouais, ouais, alors j'avoue, j'ai testé un peu la montagne hors C. Il y a plus de loups sur l'autre montagne. Mais normalement, il y a les loups, il y a les loups-garous, les Fenrir, mais il n'y a pas que ça. Ah bah moi j'avais croisé que des loups et un Fenrir. Oui, la montre laisse la surprise, t'inquiète. Oui, oui, on ne dit pas. Oui, oui. Je doute bien que si il y a eu des grands trolls, des grandes abominations, il y aura aussi des grandes choses dans la montagne. Oui, j'ai... Est-ce que ça a des ailes? Non, ça c'est petit, ça. Ah, d'accord. Parce que n'oublions pas que le prochain boss c'est un dragon, je crois. J'en ai aucune idée. Ah, on l'a pas fait celui-là à l'époque, donc on... En tout cas, sur l'image, ça ressemble à un dragon. Eh ben... Par contre, on n'a pas vu d'obsidienne non plus, je pense que c'est une fausse montagne. Hein. Ouais, c'est bizarre. L'obsidienne, on est censé pouvoir la voir empilée sur les flancs de montagne. Ouais. Bon, on va changer ça. Hein. Bon, bah... On va aller sur la salle de droite. Parce que de toute façon, l'autre montagne, sinon on en a une au nord. Et après, on en a plus d'autres. Si, si, il y en a d'autres. Faut chercher. Il y en a d'autres, mais après, il y en a qui sont dangereuses aussi. Hein. Ouais. Alors, on se remet tout nu, du coup. On enlève l'armure et on va courir tout nu. Voilà, hop. Allez. Non, le nain gris, tu me laisses tranquille. Oh, des champignons. Il y a plein de champignons. Là. Et tiens, bah ouais, du coup, Jake, tu devrais essayer de, pour ta champignonnière, de mettre des arbres à côté. Bah, à voir. Si tu mets deux maisons entourées, enfin une maison entourée de 2 arbres, peut-être que... Ah ouais, du coup, c'est cool, je vais pouvoir montrer mon autoroute aux gens. J'ai fait une autoroute dans... Il n'y a pas de pierre. Hein. Alors c'est pas ici. Ne vous inquiétez pas. Je vais pouvoir montrer le trou. Ah oui. El famoso trou. Je sais que c'est très tentant de mettre un pont au-dessus de ce trou, juste pour pas qu'on se casse la gueule et quand on doit traverser en courant... En vrai, je pense que si on peut mettre un pont, je vais mettre un pont, hein, parce que ça me fait chier plus qu'autre chose quand on doit venir en charrette. Ah bah, ça me gêne plus qu'autre chose. Alors du coup... Voilà, alors voilà, messieurs, dames, normalement, quand vous êtes autour de Dolmen, vous avez des trésors. Voilà, il n'y a pas de trésor. Mais, du coup, il y a un trou. Et j'ai creusé ce trou, j'ai passé 1 heure à creuser tout ce trou-là. Voilà. Bon, je l'ai pas rebouché. Oui, une table d'établi sauvage. Je l'ai pas rebouché. Ah, bah ça doit être la mienne. Sûrement la mienne quand je coupe du bois. C'est pour me repérer. Ah bah elle est plus là. Ouais, vas-y. Donc ici, il y avait... Bon, il y a encore la forêt. Il y a encore de la forêt. J'en laisse encore un peu, hein, vous inquiétez pas. Et on replantera derrière toi. C'est ça. Ici, il y avait quand même une plaine. Mais il y avait un peu plus d'arbres que ça. Oui, prairie, oui. Il y avait quand même plus d'arbres que ça. Normalement, les arbres... Ils s'arrêtent... Voilà, vous voyez, là, les arbres, ils ont bien reculé. Ça fait normalement une route. Vous voyez, là, tout ça, il y avait des arbres. Vous voyez où il y a des cailloux, normalement, il y avait des arbres. Ben, maintenant, il n'y a plus d'arbres. Parce qu'il a fallu construire la base V46. On stocke. Regardez. C'est beau. C'est de toute beauté. Comme ça, c'est mieux quand on se balade avec la charrette. Oh, ah oui, c'est l'hôtel pour Exir. Deuxième hôtel. T'es loin, Imra. Ouais, j'ai détecté un trésor, hein, du coup je le cherche. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un roi. Jake est en train de tuer des sangliers, je l'entends au loin. Bah, il croise ma route, les sangliers, on en a besoin. Mais... J'entends des sangliers se faire taper. Mais tu vois, cette forêt... Ah tiens, on va voir, c'est... Cette forêt, il y a trop d'arbres, c'est... Mais non... Je vais être droit, tout droit. Allez, allons à la montagne. Bloqué par une pierre. Je vais mettre mes manches. Ah bah c'est à côté d'un des nuages de... D'un des villages de Ningri. Aïe. Eh bien nous t'attendons, monsieur Imra. Je coule, je reviens. J'ai encore une minute de potion anti-givre. Une maison, tiens, j'avais pas vu. Je vais remettre mon armure. Oh, le bruit de la neige. Ah bah, oui, j'ai récupéré une peau de loup et de la viande de loup. À boire. T'en vois les loups? Non, mais ça aboie quand même. Ouais. Peut-être juste un bruit d'ambiance, non? Ah, ouh. Ah oui, oui. T'as déjà des loups sur des trucs de sur toi? Ouais. Attends. Je te donne. J'ai de la peau et une viande. Voilà. Alors est-ce que t'as des ningris, des champignons et du bois? Champignons non, ningris non, du bois j'en ai 10. Ah bon, mais garde-toi du bois. Ouais, j'en ai qu'un. Attention en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Un troll. Troll bâton même. C'est rien ça. Oui, troll de bâton. Piou. Il n'a pas joué ce souci. Hein. Là, il va rouler tout en bas. Attention, ta potion de gel, Jake. Allez, elle est bonne, maintenant. C'est bon, attends, je vais... Pas besoin de la pierre. Oh, c'est du cuivre ça. Ah non, c'est de la pierre. Bah, j'ai le diapason d'activer, il sonne pas beaucoup hein. Mais il sonne quand même ou pas? Ah pas du tout, il sonne rien du tout. Pas du tout. Punaise. Je vais déséquiper, je vais la rééquiper. Non, non, mais c'est pas un bug, s'il sonne pas. C'est juste qu'il arrive en proximité, hein, c'est pas de bol. Hein. Coucou loulou. Où il est? Il est mort. Oh. Ils sont tellement beaux. C'est vrai. Allez, on est parti pour faire du Skyrim. Ça c'est l'obsidienne ça. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? De l'obsidienne. Ah oui, bah va la miner ça là, punaise. Ah bah bravo. Un coup. Je te laisse la prendre du coup parce que je n'ai plus de... Nouvelle pièce de construction, oui. C'est pas de l'obsidienne ça? Ah non. On va pouvoir craft des flèches empoisonnées dont on n'a pas besoin vu qu'on les loot dans les donjons. Oui, et comme on a déjà au moins 3 stacks. Ah alors, mais attends, donc... parce que ça m'a donné des choses. Ah, mais par contre, oh, Jake, viens voir. Non, par contre, le diapason, il a pas sonné pour l'obsidienne. Non, 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 c'est que pour l'argent qui est sous terre. Ouais. Jake. Bois précieux, fer, obsidienne, on va pouvoir la faire. Oui. Viens. Je suis en haut, hein, je vois pas. Descends, descends, descends. Ah, je vois de l'obsidienne à ma gauche. Oh, oui, viens, 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 descends. Attends, je prends l'obsidienne. Et... C'est un coup de pioche, la vache. Ça t'a... Ça fait 2 fois que ça fait un coup de... Je tape un coup de pioche dans l'obsidienne et elle se pète. Mm. Là, c'est de l'obsidienne, ça? Non. Regarde, là. Tu... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as trouvé? On l'a jamais vu ça. On attend Imra? Il a trouvé un donjon. Sérieux? Une grotte. Véridique, j'ai pas triché, je l'avais jamais pas vu. Et je peux vous dire, monsieur dame du chat, je suis mort au moins 10 fois sur cette montagne. Une fois par des loups, 9 fois pour récupérer mon stuff. Frost Cavesse. C'est fermé. Oui, mais attends. C'est pas fermé. Attends, attends, attends. Ça t'a donné quelque chose ou pas? Hein? Non, le fait de taper, ça t'a donné quelque chose? Non, non, j'ai plus de place dans mon inventaire, en fait. Déjà? Ah, vas-y. J'ai sur moi de l'obsidienne. Ah, mais attends, toi, t'as du cuir et du loup. Faut que je te donne du cuir et du loup. Toi. Ouais, j'ai champignons, résine, un de bois. Bois. Ouais, de bois, oui. Œil de nain gris. Non. Piastre, peau de troll, trophée de troll. Non, non, non. Du coup, on t'attend, Imra. Ouais. Faut monter un peu. Vas-y, on l'attend dehors, non? Ah, ça, je vois vos points. Hein. Attends, du coup, ça donne quoi? On peut les péter, les stalacs? Ah, on peut péter les stalactites à la sortie aussi. Ouais. Ouais. Je viens de taper dedans avec ma. Mais ça donne rien. Ouais, ça donne rien, mais bon. Et bah, full découverte. Bah là, pour le coup... Vous l'avez jamais... Vraiment, sur ce qu'on avait fait l'automne dernier sur l'autre serveur avec Imra, Wed et Air Prince, ouais. Des montagnes, on en a fait. Vraiment, on n'a jamais trouvé une pierre qui nous en donne le prochain boss. Et on n'avait jamais trouvé de donjon sur toutes les montagnes qu'on avait fait. Si c'est la caverne du boss. Non, je pense pas. C'est vraiment... C'était l'icône de donjon. Du coup, il faut descendre de Imra. J'arrive pas à savoir si Imra est en haut ou en bas. Il est en haut. Non, il est en bas là. Il est là-bas, il faut monter. Derrière toi, Imra. Derrière, on est derrière dans quel sens? Derrière, ça veut pas dire grand chose. Faut que je remonte là par rapport. C'est toi que je vais en haut? Oui. Oui. Je remonte. Ouais, ça va être compliqué, fais gaffe. Hein. Il faudra être patient à cause de l'endurance. Tu peux passer plutôt sur ta droite s'il faut. Vraiment. Oui. De toute façon, on ne peut pas glisser. me fait le cheval de Skyrim. Ça va pas ça. Je sais pas si ça passe. Hein. Ah oui, ouais, faut faire tout le tour par là et puis après tu remontes tout en haut et tu t'es Je vais tester quelque chose. Ah, ah oui, péter les stalactites en haut, oui, c'est vrai. Ouais, ça sert à rien. Ouais, ça donne rien. Ouais. Et là, voilà. Bonjour. Oh. Donc ici. Magnifique. Voilà. Donc Frost Cave, et il y avait juste un mur de glace. Ouais, il y avait un mur à l'entrée au niveau des deux pics ici, là. Mm-hmm. Et taper dedans. Et... Je vois quelque chose au fond. Mais l'extérieur était visible. Ouais. Ouais. Je vois quelque chose au fond, c'est du minerai. Enfin, c'est des cristaux. Des cristaux, ouais. Oula, Ring. Ah bah c'est... C'est pas des mecs d'habitude, ceux-là. Alors, cristal. Ah, t'es pas obligé de le péter, hein. Ah, c'est eux pour ramasser. Ouais. Alors, j'ai récupéré... Et... J'ai récupéré et... Non, mais j'ai récupéré quand même le morceau, si jamais. Ah, trop bien. On peut faire... On va pouvoir faire des fenêtres. Attends, parce que... t'as récupéré aussi, Jake, ou pas? Bah, là où je suis, oui, parce qu'en vrai, c'était une impasse. Parce que... ah oui, parce que j'ai... Oh, attendez, il y a du loot, là. Attendez. J'arrive. Là... C'est quoi ça? C'est quoi que t'as récupéré? Un creux de loup. Ok. Oh, venez là en bas. Mais j'ai bien vu, c'est fenêtre ou un autre truc, c'est ça? Ça va faire des fenêtres. Mur de cristal. On peut faire mur de cristal. Regardez, au mur, cheveux de Fenrir au mur. Fenrir, qu'est-ce que c'est? Fenrir, c'est le loup de la mythologie. Mais ouais, mais on fait quoi? Ça se tape. Il y a de la viande au sol. Oh putain! Attendez, ne bougez pas. C'est le boss, non? Donnez-moi les trucs que vous avez ramassés d'ailleurs. Diane, truc. Pourquoi, Jake? Il est craft. Ah non, mais on peut pas. Bouge pas, Draken. Arrête de bouger, Draken. Sinon, je veux pas pouvoir t'acheter les trucs. Attends, mais j'ai pu voir un truc. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Attends. Oui. Attends, hop. Hop. Par contre, oui, c'est ça. Entrailles. Collier en argent, ok. Et on peut récupérer des fragments d'œufs si vous voulez. J'ai eu un collier en argent. Ouais. On t'attend le bras zéro là? Bah je crois. Ouais, non, le bras zéro tu l'as looté là. Attendez, mid pile. Regardez ici, entrailles. Oui je sais. Il y avait des... C'est un... Ouais donc c'est un donjon... Et c'est stylé la musique ici, et il y a les 3 loups-garous là-dedans. Mid-pile aussi, ah oui. C'est fini là, il est terminé déjà? Les loups-garous, ils vous ont donné quoi? Moi, loups-garous, ils m'ont rien donné. Attendez, non, c'est pas fini, regardez. Hé. C'est un cul-de-sac? Non. Il y avait des piastres ici, il y avait de la viande. Oula, il y a des chauves-souris. Il y a des corbeaux? Non, des chauves-souris. Des chauves-souris? Nosferati. Le retour des Mexiques. Il donne du loot ou pas, non? Je sais pas. Oh, attention, tombez pas. Hein. Par contre, ça va un peu dans tous les sens, je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Il y a un étage, il y a un rez-de-chaussée. Ouais, mais comme ça, faut qu'on reparte de l'entrée, qu'on se refaire. Ouais, c'est ça, on va refaire l'entrée, ouais, c'est plus simple. Parce que, en fait, les murs de glace, on peut... Attendez, t'as la hache, batte. Je me fais attaquer par les chauves-souris. Bon, on vient de là. Je reviens. Ok. On va tout droit. Là, il n'y a rien. Là, du coup, ça chute ici. Ok. Ah, vous êtes. Je crois que le mieux, c'est de la gauche là. Attendez. Ouais. Bon, Batman, on se calme. Ah! Tombé. Attends. L'un de vous a le diapason d'activer ou pas? Non. Ah, il y a un escalier là, d'accord. C'est compliqué les chauves-souris de vache. Par contre, c'est full, c'est un peu chiant. T'as quoi, Jake? T'as des trucs de troll ou pas sur toi de la peau de troll? Tête de troll, j'ai de l'obsidienne, des entrailles, des piastres. Du bois. Non, on va descendre en façon. Il y a un escalier ici là. Ouais, il est tombé. Ouais. D'un coup, c'est la vache. Vous avez du contenu, les gens, du nouveau contenu. Oh, ouais, porte en fer et tout, mais c'est trop stylé. Ouais. Attends, et, là, dans, et au fond, là, je vois, il y a des trucs et tout. Hein. Oui, non, mais il y a deux passages. On commence. On va à droite. On fait à droite. À la gauche. La gauche, on regarde. À gauche. Au même niveau. Je pense qu'à droite, ça descend. À la gauche ici aussi. Ah bah il y a une porte aussi. Ouais, tu m'étonnes que la montagne... J'ai activé le diapason aussi, il faut. Il y a du monde. Oh. Putain. C'est méga stylé. Hein. Ce boucherie. Fenris Air. Il doit y avoir plein de trucs dans le sol par contre. Il y a plein d'entrailles, bah maintenant. Après, il y a du bronze. Il y a même du bronze. Ah oui, c'est les, bras zéro. Ouais. Après, si tu veux, je peux faire un trou dans le mur aussi. Non, ça, non, non, ça m'étonnerait. Ulve Trophy. Bah, ramasser là. Je le ramasse. J'ai récupéré le trophée. On peut pas créer un coffre là? Il y a du charbon... Ouais, moi je suis sûr que j'ai repris de l'obsidienne, mais je suis full. C'est fou, hein. Attends, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. J'ai des œufs de nagri et nagri on... J'ai récupéré le bronze, je peux récupérer le charbon. Trophée de troll, ouais. La résine à la limite. Ça on peut laisser, on en a plein. Les œufs de nagri Oh si, on en a plein. On en a plein. Ouais. Vous êtes... Alors attends, passez là, d'accord. Donc là, il faut aller à gauche. Voilà, charbon. Ça c'est cool. Y a pas besoin de la... Oula, cultiste. Ok, d'accord. Bonjour. Oula. Jaragani. Oui, d'accord, il finit en feu et tout, oui. Attends, on arrive humain. Alors qu'est-ce que... Multipile... Et mais... Fenris Halo... Attends, il y a de l'obsidienne là si vous voulez. Attends, je peux en prendre. Cultiste avant, cultiste. Il est vu. C'est un putain de donjon, c'est trop cool. Il y en a encore un derrière. Il y en a derrière? Au fond, au fond, au fond. Ah, oui. Alors je vois il y a des... Alors obsidienne tu m'as dit... Griffe de Fenrir sur les trucs... Ouais. Cheveux... Ça c'est un truc de rituel, c'est trop stylé. Ouais, il y en a à côté, de l'autre côté hein, des griffes de Fenrir aussi. Bon je peux en ramasser, je suis full, mais on a un coffre, on va mutualiser là, ce sera plus simple. Oui, oui on va faire ça. Hop... Red Jute, ouais attention parce que ouais il y a des Red Jute, hein, des chutes noires. Oui mais... Go mutualiser un coffre ici. Alors... Ça c'est quoi ? Ça je peux mettre, ça je peux mettre, ça je peux mettre, ça je peux mettre... Attendez, je vois ce que je peux récupérer. De toute façon on va avancer étape par étape. Alors, nouvelle pièce de course... Oh, on peut faire des rideaux. Ouais mais on va pouvoir faire des trucs stylés je pense. Standing brasier... Je pose plein de choses. Oh putain ouais. Les cristaux j'en ai pas, tout ça j'en ai pas, tout ça j'en ai pas, ça je peux poser. C'est grave stylé comme donjon ça. Oui. Ah, péter les... Ouais, les rideaux, faut les péter. Les rideaux, ouais. Enfin, t'as juste à cliquer E. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors par contre, pour cliquer E sur ce qu'il y a en dessus, là... Non, les Fenris Air, apparemment, on peut pas les récupérer, eux. Si, attends. Oui, tu peux les cramer. Voilà. Ouais. C'est cool, un culte de Fenrir. Stylé. Alors attends, ça peut être poussé. Et du coup, dans la mythologie nordique, Fenrir, c'est... Un loup. C'est le loup qui va... C'est le fils de Loki. Et il sera libéré juste avant le Ragnarok. Alors attends, je peux poser peut-être des choses encore. Ça. Non mais j'ai encore rien ramassé moi. Vous avez juste moi il me reste plus qu'un seul emplacement. Je peux prendre qu'un seul emplacement. Et encore j'ai le diapason. Putain la vache c'est trop cool, je suis trop content d'avoir ce truc. Pour les chevaux de Fenrir qui sont entre guillemets des rideaux dans le donjon, pour ceux qui sont en hauteur, tirez une flèche dessus et ils tombent. Okay. Ouais c'est ce que j'ai fait avant. J'ai reposé les trucs dedans, de toute façon moi le coffre, enfin le portail que je garde sur moi. Alors attends, ça je peux récupérer, oh, mais j'ai plus de place après. Si jamais vous avez des cheveux de Fenrir et des cristaux, je peux les prendre. Non, j'ai raid, jute, entrailles, charbon, bronze... bah vas-y, attends Jake, je te laisse prendre parce que j'ai mis les raids, jute et charbon. Charbon, je prends... Est-ce que t'as la viande, de l'eau? Non. T'as pas de trophée de Hulve? Non. De griffe de Fenrir? T'en as je crois Imra, des gars de Fenrir? Non, par contre j'ai Fenris Claw. Ouais c'est ça ouais. Ah oui ça oui j'ai. Vas-y attends. Hop. Je te le donne? Non tiens tiens. Tu les as eu normalement? Ouais j'ai eu. Yes. Moi du coup il me reste 3 emplacements. Ah je pense qu'on est bon hein. Bah il reste, si tu peux prendre 3, il reste 1. Il faut prendre juste les crocs, de l'eau et on est bon. Ouais c'est bon quoi. Attendez, presque bon, vous allez voir, je vais peut-être faire un truc. Est-ce que ça a looté? Non. Ça a looté rien du tout. Bah nickel, putain la vache. Bon petit donjon hein. Oh ça a eu de quoi? De la pierre? Rien du tout. Oh merde. Donc on a tout fait. Bah... Bon, cool, cool comme donjon de montagne. On peut casser les stalactites là. On peut les casser. Mais après, est-ce que ça donne un truc? On peut les casser mais ça donne rien du tout. Là on a tout fait là. Ouais on a tout fait. C'est clean là. C'est où la sortie? Faut monter. Par contre du coup, est-ce qu'on en avait pas dans l'autre montagne? J'ai pas vu. J'ai pas vu en tout cas. J'ai pas vu non plus. D'énergie. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je t'ai éloigné. Tu m'as fait peur. C'est juste pour remonter. Ah, attendez, eh, c'est pas fini les gens. C'est pas fini mes copains. Venez voir. Je vous attends. Attends, parce que... C'est pas fini. Pas, là, hein. Ok, c'est bon. Regardez, pour savoir les murs... Vous voyez là, le mur? Ouais. Bah y'a une grosse fissure au milieu. Ah bon? Oh putain. Non mais c'est un mur comme ça que t'as vu? Oui, en fait c'est... c'est pas si visible que ça finalement. Ah si si, après peut-être faut mettre les graphismes à fond. Mais attention, Jake, il me voit pardon. Ah ok, c'est un corbeau. C'est... ouais, c'est pas des corbeaux. Oui en mode ça passe, c'est une petite balle assez méfiante. Son oh, bah emplacement de boss, hein, probablement là-dessus. Oui, oui, oui. Je te laisse cliquer dessus d'ailleurs. Ouais, j'essaie de tuer la chauve-souris. Mais go, avance. Fais clic sur la pierre. Et ben. Et il y a. Donc là, le mur à côté, c'est aussi un mur pétable. Hein. Oui, oui, j'ai vu. Modère. Eh bien, on a l'emplacement du boss. Yeah. Du coup, faudrait qu'on vienne ici. Alors, regardez là, tu vois pas. Ouais, Jake, c'est peut-être parce que t'as les graphiques. Ah bon? Mais tu vois, là tu vois le Imra, le mur à gauche et à droite. Ouais. Tu vois pas de fissure? Oui d'accord, ok, enfin si je vois. Si vous regardez sur en effet c'est pixel sur 20 mais je vois. Ouais. Oh voilà. Ancien cave marking. Et ça sert à quoi? Je sais pas du tout. Et des peintures. C'est des... ouais c'est des peintures du passé. Et là du coup il y a encore un mur. Ah c'est beau quand même hein. Bah, ouais. Oui, franchement, je pensais pas que Fenrir Claw et il n'y a pas d'autre mur. Mais je pensais pas qu'on aurait l'emplacement du prochain boss. Moi non plus, donc franchement. Ouais, là, le deuxième emplacement du prochain boss, on le trouvera en extérieur, sur des ruines, des tours, quelque chose comme ça. Donc on a à chaque fois, c'est un emplacement de boss qu'on trouve dans un donjon et un emplacement de boss qu'on trouve à l'extérieur de donjon. Oula, bon bah on a modère. Ah le bruit d'ambiance il est cool. Mais c'est la vache, heureusement que j'ai mis les graphismes à fond, sinon on l'aurait pas vu. Mais vraiment c'est bien. Ah, le coup de chance, quoi. Je vais regarder peut-être qu'au fond, là-bas, on en a encore, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on... Alors, tous les items qu'on vient de trouver, vous le mettrez dans le coffre futur, et je m'occuperai de ranger ça dans du nouveau coffre. Yes. Vous êtes sorti? Ouais, okay. C'est la sortie. Moi, j'attends l'entrée. Moi, je vais regarder s'il n'y avait pas un autre mur, mais on est bon. Ok. Alors, n'oubliez pas de reprendre du crochet quand vous sortez. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je suis trop content. Bah, maintenant, là, en découverte stream, il faudrait qu'on trouve du minerai. Ouais. Ah, toujours... génial, la tempête de neige est géniale, je peux plus jouer. Oh, bah non, mais en fait, c'était bien du dépôt d'obsidienne, ça. Oui, non, mais je parlais de l'argent. Oh, ouais, non, mais regarde. Ah, oui, oui, pardon, oui, c'était. Non, attends. Je vais encore dedans. Moi, je suis sorti, hein. Je ressors, là. Je vois rien du tout. Attends, hop. Ah, oui, ça, c'est trop stylé, j'adore. Il faut une barre verte. Franchement, si vous pouvez faire une maison dans les montagnes, je serais aux anges. J'ai un chalet, là, en flanc de montagne. Un petit chalet, ça peut être fait, oui. Tellement bien, j'adore là. Tu fais une petite cheminée, tu mets le tapis devant la cheminée, mon siège en bois, le rocking chair. Par contre, ouais, il peut y avoir tant de potes. C'est bon, ça y est. J'ai battu le record du plus bas FPS possible. Ça y est, la neige, la montagne, la tempête. Ah. T'as combien? 2. Oh putain. Ouais, pas ouf. Hein. Mais c'est bon, ça va, je m'en sors. La montagne light est finie d'explorer, vous avez pas tout check? Non, pas non. Non, non, par contre j'ai encore un truc d'obsidienne. Mais alors, cette montagne là, je l'avais visitée un peu et je pense que je voyais pas les dépôts d'obsidienne. Donc je pense qu'en fait on les voit que quand on a tué Mazdos en fait. Non, parce que disons qu'on est suicidaire, on se balade dans les plaines. Maintenant, on va avoir les items des plaines si on arrive à faire des choses. Ouais. Okay. Ah, il n'y a plus la tempête, tant mieux. Il n'y a plus la tempête. Moi, j'ai toujours mon diapason d'activer, mais il bip pas. Il bip bien, il était désactivé d'ailleurs. Ouais, il bip pas beaucoup. Moi, j'ai bien l'icône à droite, donc. Il y a une maison là-bas. Bon, après, c'est pas grave, si on n'a pas d'argent, au moins on a l'emplacement du prochain boss. Ouais. C'était inattendu en plus. Bah ouais, franchement. C'est parce que j'avais vu le minerai d'obsidienne, je me suis dit, oh là, tiens, un loup. Hop, t'es mort. J'ai vu le minerai d'obsidienne, je me suis dit, on va y aller avec Jake. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Oh, une caverne. J'ai des loups sur moi encore. Hein. Et au nord, Draken, ou au sud? Au sud. Moi, au nord. Ouais, c'est bon, j'ai tué le loup. Je suis en train de me balader avec le diapason. Par contre, bon, il y a un truc, il vaut mieux prévenir que guérir. Quand on se fait attaquer vraiment en mode attaque assaut à la montagne, ouais. C'est hyper dangereux. C'est vraiment des hordes et des meutes de loups qui t'attaquent. Ah oui, ouais, faut se barrer quoi. Ah, j'ai plus de place. J'ai du cuir de loup pile à mes pieds que je ne peux pas ramasser. Peau de loup ou cuir de loup? La peau. Peau de loup. Peau de loup, attends, vas-y, j'arrive. Cuir de loup en vrai. Ouais, vas-y, j'arrive, moi j'en ai. Je regarde, mais il pique pas du tout hein, le. On va pouvoir faire des rideaux, Jake. La base V7. Et là, notre salle des conseils des 4, elle va en avoir ouais. On va mettre des fenêtres. Eh, mais du coup, ça va augmenter le confort. Ah mais oui hein. Ouais ouais c'est cool. C'est ça qui va être cool là. Peut-être on va dire Wed il va se reconnecter. Alors ça a été. Ouais on a fait ça. Hop, vas-y, j'arrive. Hein. Jake, je me... Oui, je ne bouge pas. J'essaye de voir ce que je peux voir pas trop loin. Mais... J'essaie de régénérer ma stamina en même temps. C'est compliqué. Je vais enlever. Oh. Ah putain, je suis tombé. Allez. Yo. Bon, on va pouvoir changer de montagne, je pense. Ouais, et moi j'ai rien trouvé. Hein. Attends, oui, t'es par là, Jake. Là. C'est bizarre quand même, mec, il n'y a pas du tout de... d'argent dans ce montagne. Oui, mais en fait, je suis bête, t'es juste à côté de la sortie, j'ai fait tout le tour pour rien. J'ai tué deux loups, s'il y en a qui peuvent goûter ici. Attends, j'arrive. Hop, merci. Une peau de loup. Là, Imra est tout de suite. Okay. Ouais. Attends, 7, 6. Peut-être un truc. Ah! T'as trouvé de l'argent? Je m'attendais pas à ça. Bah attends, je suis obligé de... J'ai donné un coup dans la pierre, je suis tombé dans la pierre. Ah! Je suis prisonnier, mais je me déprisonne. Ah! Oui, dragon! Hein? Dragon! Quoi? Non! Il y a une wyvern, il y a un drac. Non. On annule tout, les mecs, on annule tout, c'était pas prévu dans le contrat, hein. Non, mais ça va, ils sont pas dangereux à condition que tu prends pas les dégâts. On dépêche le feu, c'est un drac, c'est pas. Aussi, ça fait mal, hein. Oula, le petit lag. What the fuck, ça a explosé là? Ouais, c'est le petit lag là. YOLO! Je peux pas le ramasser! Je suis blanc gelé. Allez! Personne qui peut le ramasser? Je l'ai ramassé. Ça va te faire des flèches de givre. Ouais! Mais t'es tombé où en fait? De quoi? T'es tombé où? Non, en fait, j'ai vu un caillou qui m'a intrigué, j'ai creusé dedans et j'ai été retrouvé prisonnier dedans. Du coup, j'ai pioché pour m'en sortir. Mais il y a spawn comment là où est Draken. Ah oui, il est là. Et il y a spawn comme ça la wyvern? Non, il a spawn derrière moi. Ah la vache. Donc c'était ça que vous me disiez qui était... C'est pas ça le truc? Non, pas que ça. T'inquiète. Y a pas que ça, non. C'est juste que la wyvern en vrai, c'est pas dangereux si tu évites... Enfin, c'est facile à éviter. Faut juste ne pas prendre les dégâts parce que si tu les prends, ça fait un peu mal. Mais en vrai... Après, je suppose qu'avec la potion de résistance aux givres, elle fait moins de dégâts. Genre, non, ça, la résistance aux givres, c'est juste pour que tu puisses pouvoir faire des choses dans la montagne. Ouais. Bon, bah, le diapason, il saute. À la maison, on prend le TP Marais Nord pour l'autre montagne. Ouais. Go à la maison. Tu mets le portail? Non, bah non. Non, on va rentrer. Il n'y a aucun intérêt de mettre un portail ici, on va pas revenir. Des facochères à looter si jamais. Ça ouais, c'est toi qui es dans le vert? Ouais, je suis devant. Moi j'arrive. Ok, j'arrive. Cochon, je peux prendre. Je prends le cuir, je peux pas prendre la viande, hein. C'est plus important. Je peux prendre les deux. Vraiment... Je vais buter 4. A voir si le compte est bon. Les autres, je les ai évités près de la... Enfin, de la neige. Tu les as vus? J'en ai looté 2, 3 avec celui qu'on vient de faire. La quatrième, elle est là. Ok, j'ai... tu fais petit combat à main nue. One Punch Man. Ça m'a fait gagner un niveau. Bon. Il va falloir la raser cette forêt. On fait des détours. Trésor en coin. T'es au... t'es au sud, je suppose. Ouais. Mais je sais pas si on va pouvoir le looter en fait, le trésor. À la limite, pingue-le. Si jamais tu le trouves. Ouais. J'ai le diapason qui pipe. Cochon. Ah, plus cochon. Non mais c'est normal, oui d'accord, oui, c'est normal qu'il bip diapason. C'est normal. C'est parce que y a des minières à côté. Ah. Non là il bip plus. Ouais, le trésor il est au milieu des minières. Là. Il est quelque part là-dedans. Ouais, il est à tes pieds. Il est à tes pieds. Ouais, il est là. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je vais prendre les piastres. Voilà. Et les flèches enflammées aussi, comme d'habitude j'en avais plus. Ah voilà, bah il reste une ambre rouge. Voilà. Eh ben. Ta flèche enflammée, tiens. Merci. Hop. Et c'est bon. Ok. Ah là, il vibre encore. C'est parce que. Détruire le coffre. Ah. Ah voilà. Ah ouais. Ok, bah nickel. Parce que du coup j'ai eu peur, mais je me disais, est-ce que le diapason fonctionne quand on court? Parce que... C'est vrai qu'il fonctionne pas quand on court. Si, si, il fonctionne. Bah si, bah si, bah si, si. Alors, allons déposer nos crafts. Tu passes par là? Ouais. Porte ouverte. Côté bois, j'en ai un peu à poser. Attends, moi j'ai éteint si tu veux... Attends, ici il reste des pierres. Oh, mince, j'ai jeté les pierres à l'eau. C'est pas grave, les pierres c'est pas grave si c'est à l'eau, c'est pas grave. Donc c'est pas les ressources rares qu'on a de choses. Ouais voilà. Ouais non non. Les nouvelles ressources, pas forcément rares. Alors le cuir de loup dans le coffre à cuire, les crocs de loup et les griffes de corbeau dans les os, tout le reste dans le futur. Alors attends, donc le trophée de Ulve dans futur. Dans les trophées dans trophée. 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 Trophée de loup. Trophée de loup. Os, ça change pas. Donc moi j'ai obsidienne, viande de loup et peau de loup. Alors obsidienne, ça ira dans obsidienne métallurgie. Ouais. Viande de loup dans la viande en cuisine. En gros dans le futur, ouais, c'est tout ce qui est... les cristaux, les rideaux, les cheveux, les glandes gelées, tout ça. Je vais juste prendre la glande gelée, comme ça, ça va débloquer le craft. Ouais. Tout ça, c'est... Hop, charbon, c'est quoi ça, totem gobelin. D'un collier là-haut, Draken, peut-être que tu l'as pas pris, il y a aiguille à prendre. On a malencontreusement looté, enfin là-haut, ici, là où je suis. Hein. Aiguille, ah si, si, oui, 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 c'est pour faire les flèches de verre, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi? Bah, j'avais pas le totem gobelin. Ouais, je viens de le prendre aussi au cas où. C'est un trophée gobelin? Ouais, par oui. Je sais pas ce que c'est. Oui, alors, je l'ai eu quand j'ai fait les screens pour la fameuse tour là qui était d'accord. Bord de la on l'a fait fondre tout de suite ou pas l'obsidienne? L'obsidienne. On pourra pas de toute façon. Mets dans le coffre. Ah, attends. Ouais. Coffre, argent. On n'a pas de coffre à option encore. Ah, mets dans le coffre à son brassier, on le fera plus tard. Bah je le mets avec le son brassier. Oui. Ouais, pour le moment ouais, on déplace. Je mets pas. Et là pour il y a des choses à refaire. Je vous prends juste. Attends. Alors, viande crue, c'est là, viande crue. 4 paires, 4 obsidiennes. Comme ça sera fait. Piastre. Les potions. Du coup, les potions. Ouais. Potions, j'en ai 7. Revigorantes, je vais les garder. Quoique dans les revigorantes, il n'y a pas besoin. Bouche, bon, et après, c'est des piastres. Alors le bronze c'est derrière, le charbon ça j'en ai. Ça c'est bien qu'on puisse looter directement des barres de bronze, même si on en a pas à l'urgence. Bon en théorie on en aura plus besoin hein. Pas dans les médias. Et du coup avec la fonte, avec l'obsidienne on peut faire des trucs en plus ou pas pour améliorer Bah alors, si t'as pas eu l'obsidienne encore sur toi, prends et ça te débloquera. Ah si, ouais non mais si j'ai eu que le minerai mais ouais mais il faut la fondre. Le minerai d'obsidienne, faut le fondre, non? Bonne question. T'es sûr? Je sais pas du tout. Parce que si je vais dans fabrication... Faut 4 obsidiennes, non? Tu dis tel quel l'obsidienne. Faut 4 obsidiennes, 4 fers et tu peux faire l'étagère à outils pour le... Ouais. Ça, ce que je pense d'ailleurs. Oui, bois précieux. Ah oui, j'avais pas vu, oui, en effet. Ouais, non, mais ouais. Du coup, tu l'as fait. En gros, l'obsidienne, c'est pas vraiment un métal, en fait. Ouais, non, c'est plus de la pierre. Non, ça se fond pas. Okay. C'est une ressource. Du coup, tu... dans ce cas, je la redescendrai. C'est pas un métallurgie. Ouais. Du coup, tu l'as fait tout de suite ou pas la... La étagère à outils, je suis en train de la faire, ouais. Ah ouais. Ah après, bah, ça sert quand même pour faire des flèches en obsidienne de mémoire. Ah non, c'est raté. Il était très fort d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est pour ça, c'est pas dérangeant que ce soit près des minerais. Et l'étagère à outils, elle va nous permettre de faire quoi? Avoir la forge niveau... Non, je sais pas combien c'est. C'est 8 je crois. Elle est quel level là? Attends. Elle est level 7. Donc le compte est bon. Pourquoi je peux pas la poser? Faut pas la mettre contre un mur? Doit être placée près du bon établi. Ah, ah non, bah si, bah, la forge... C'est pas table de fabrication plutôt? Améliore, améliorer la forge. Essayez à côté de la table de fabrication peut-être. Ah non, c'est bon, bon. Oui, oui, non, okay, c'est bon. Je la mets, pardon. Ici. Voilà. Ouais, donc c'est la table de fabrication. Du coup, c'est la table que ça améliore. Alors, on a récupéré les pantalons de Fenrir. Donc ouais, on va pouvoir faire les pantalons de loup. Avec des cheveux de Fenrir qu'on n'avait pas la dernière fois hein, d'ailleurs. On n'avait pas la dernière fois, ouais. Résistant au feu. Flèche d'obsidienne. Flèche empoisonnée, il n'y a pas besoin de les craft, on peut les farmer. Bah, à part le truc de Fenrir, je vois pas beaucoup de trucs. Non. Il est ouais, pas mal, le stade de Fenrir, c'est vitesse de déplacement plus 3%. Et résistant au feu. Et apparemment, ouais. On fait plus de dégâts sans arme. Bon, après, ça c'est rare quand même. Hein. C'est là où vraiment on va peut-être diversifier les stuffs pour les gens qui souhaitent. Il va y avoir des gens stuff métal, on peut plutôt faire puis argent, et des gens plutôt stuff loup. Mm. Ah, et apparemment, si je comprends bien, le modificateur de dégâts résistant, quand tu prends le pantalon de Fenrir, Ou c'est la 4 de Fenrir, on est résistant à la glace. What? Modificateur de dégâts résistant vs glace. Et l'effet, si t'as 3 pièces, c'est résistant vs le feu. Si t'as les 3 pièces. Ah, c'est bon. Regardez bien. Le Fenris Coat. Plastron, c'est le feu. Les jambes, c'est le feu. J'ai rien d'autre, j'ai pas autre chose. En haut, Fenris Coat. Le premier. En haut, il est marqué armure modificateur résistant glace, en effet. Et c'est les 3 pièces, ça donne la résistance feu. Ouais, voilà. Du coup, ah, ok, oui. Mais on a que 2 pièces comme ça, on est d'accord, on n'a pas d'autres. Fenris Coat. Ouais, ouais, moi j'ai que le legging et le coat. Donc le plastron et les jambes. Donc il nous manquerait... Bah tête et cap. Ouais, je pense qu'après il faut peut-être avec l'argent... on aura le reste avec l'argent, non? Certainement sur la forge. Hein. Là pour l'instant en forge il n'y a pas de Fenrir. Du coup on les ping les montagnes en disant que c'est fait ou pas? Bon, on le sait. Hein. Voilà, ouais. Ceux que c'est les deux sont côte à côte. Hein. Et du coup la prochaine montagne c'est laquelle? On va prendre le TP Marinor. Ok. Tout le monde a de la... Mais par contre, cette histoire de résistance glace, on est d'accord que c'est pas pareil que résistance givre. Il nous faudra quand même les potions dans la montagne. Je pense que c'est résistance aux attaques de oui, voilà. De... Ouais. Non, parce que... Non. C'est les potions. Parce que si tu regardes la potion, il est marqué modificateur de dégâts résistant vs glace. Ah. C'est hydromel de résistance au gel. Ah oui. Modificateur de dégâts, résistance vs glace. Ah oui. D'accord. Ah. Donc pour moi, en gros, ça nous évitera d'avoir le... de prendre une potion en fait. Celui qui a cette pièce là. Alors village, je vous avais dit... Marais triangle. Je n'ai pas pris le bon. Ouais non, c'est pas Marais triangle. Non, c'est celui qui est en face. Marais nord. Mais il s'appelle pas pareil. Ah, frontière marée pleine, non? Non, celui-là il est vachement haut, je crois. On va voir, je sais plus. Le problème, c'est que les panneaux n'ont pas le même nom que les trucs. Comment on les a déplacés, les portails entre temps? Framboise, j'ai marée 2. Marée tout court, mais c'est celui que t'as pris. Bah, je tenterai bien marée 2. J'ai pris. Je pense que c'est l'autre, hein. C'est celui-ci. Marée ferme, enfin frontière marée pleine. Ah mais c'est pas un rideau le truc, d'accord. C'est une bannière, non? Ouais, c'est une bannière. Ah non, c'est pas du tout celui-là... C'est pas frontière marée pleine. Regarde celui où il y a marqué le panneau marée nord si... Ah mais il est pas là-haut, marée nord? Non, en haut c'est... Non, il y a quoi, Marée Nord? Alors là... On a plus le portail ou quoi? Je crois qu'on a plus le portail, vous l'avez enlevé, hein. Ah, c'est pas normal. On a marchand... Il y a repère 1, ça c'est le portatif à Jake. Qui n'est pas connecté, hein. Qui n'est pas connecté. On a le portail de Wed pour Mazdos. On a framboise. Prendre le portail. Bah non, c'est pas Marée Nord non plus. Parce qu'il est pas bon le portail Marée Nord. C'est village, faut prendre village. Village et aller en arrière. Et village, c'est pas le continent? Non, village, c'est l'endroit où il y a la grosse crypte. Où il y a plein de cryptes, c'est village, Oui, on sera pas sur celui qu'on veut. On n'est pas... c'est pas grave, on peut le faire aussi, mais... Mais c'est pas la montagne là-haut? C'est pas la montagne qui est en dessous, pas les montagnes qui est en dessous, là? Où je suis? Le problème, c'est qu'elle est près de la plaine, quoi. Ouais, mais bon, on passe par la forêt, non? Sinon, sur la carte, je vois pas d'autres montagnes. Bah, sur la carte, si, au plus au nord, t'as une mini montagne dans la forêt noire entre deux plaines. Enfin, juste là, il y aura rien, je pense. Bah oui, là où je suis. C'est où? Si tu regardes la carte, tout dans le nord. Pour l'instant, je te vois plus. C'est bon, je te vois. Voilà, et on va au sud. C'est à droite de Mazdos. Ouais, mais par contre, si tu peux aller au sud en longeant la droite, ouais. Mais y a rien de plus proche. Bah non, c'est village, c'est tout. Là, on va d'abord au sud, on est d'accord. Ouais, ouais, bah de toute façon, moi je vois que c'est là comme montagne. Mais non, on a dit un autre bout en haut à gauche. En haut à gauche. Ah oui, le petit bout là. Ah ouais, mais vous avez pas mis de portail, je pense. Bah non, parce que en théorie, c'est le même continent quoi. Non, ça bip. Il y a un dolmen dans le coin. Bon, de l'autre, je suis surpris qu'on ait plus le portail quand même. Oh, j'ai oublié de prendre le repos. Draken, t'es figé? Non, non, j'ai trouvé un trésor. J'essaie de le trouver. Ah, il est là. Ah, bah il était vide. Voilà. C'est parce qu'il y avait un coffre, mais... J'ai l'impression que Imra il fait 4 rails, il y a un sanglier, j'entends des choses. Moi je massacre tous les sangliers et les mouettes que je vois. Aucune pitié. Attends, c'est lui, c'est malin. Ça aime pas les headshots. J'ai du sanglier pour toi sûrement. T'as des plumes aussi, je prends. Nada. Ah, le jour, c'est bien. T'as des trucs de trophée de drogueur ou en trail ou pas du tout? Non. Ok. Sanglier, ça va rien. Ouais, le trophée. D'ailleurs, un trésor au-dessus. Enfin, il va biper, mais je vais te ramasser. Alerte. Oh. Il arrive pas plus vers moi là. Juste par là. Ouais, il est là, tu l'as. Rubis et piastre. Vas-y, si tu veux. Plaloum. Attention, il est plein juste à côté. Mmh. Mmh. C'est pour ça que j'ai bien fait le tour au cas où. C'est qu'il y en a du cuivre. À réactiver vos potions. Ouais. Ah, je vois un loup là, deux loups. Attention, il y en a un autre qui arrive. Hein. Je l'ai vu courir. Il y en a un par là. Hein. Oh, c'est des worms, non? Oui, oui, il y a deux worms. Attends, il y en a une là-bas. Ah, raté. Je crois que tu l'as touché. Touché, tu crois? Oui. Non, non, non. Si, si. Ah oui, oh la vache. Nickel, il y en a encore une au-dessus. Ah, mais en plus avec un loup. Le loup. Yes. Attends, il y a de la peau là. Je le prends, je la donne après. Ne bouge pas. Ah, ça a bipé. Oui. Je pense que c'est rouge justement. GG. Je récupère le loot. Ah bah tiens. Alerte rouge. Golem. Yes. Ok, on va Draken, tu vas être content. Je vais essayer de le counter, on va voir si ça marche. Oh oui. Oh, c'est beau. Oh oui, évidemment. Il s'en fout du compte. Il s'en fout du compte. C'est quoi ça? Protection, dégâts. D'accord. Je lui fais 0 de dégâts, je comprends pas. D'accord. Il a été content. Ah Tape avec la pioche. Ah oui, 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 oui. Arrête de bouger, reviens là. Tu tapes avec la pioche, ça lui fait des dégâts critiques. Yes! C'est trop bien, c'est logique, j'adore. Ok, pierre et cristal qu'on a déjà, donc rien d'intéressant. Par contre, c'est bien de creuser, mais il faut qu'on puisse remonter, hein, parce que là... Oh, t'inquiète. Je fais des sorts, je te cours. Oh, c'est tellement énorme en plus les trucs. Eh ben, une soirée productive, messieurs, je pense. Oui, et d'ailleurs... Oh, d'ailleurs... Oh, bah Draken, viens, viens là. Ah, vous l'avez essayé? Non, 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 viens, tu vas voir. Oh là, ok, c'est ça. Voici... Ah bah attends, je vais lui montrer. Ah bah attends, je le repose. Ok. Je vais juste le... Oula voilà. Donc là, c'est un nid de... Ok, pardon. Hop là. Et donc là, ici, c'est un nid et il y a un œuf de dragon. Cet œuf de dragon, il nous sera utile. Par contre, les œufs de dragon ne se cumulent pas et pèsent à eux seuls, je crois, 250 ou 300. Ouais. 150. Ouais, du coup, j'ai désactivé le diapason. Ah, vu qu'on coupe de la lumière, là, je pense que... Contre, ça peut être profond. Ah, mais voilà, voilà. Voici une veine d'argent. Maintenant, on va pouvoir le contourer. Oui. On va faire une petite rampe d'accès pour remonter. Oui. Je vais mettre un portail. Je vais mettre là le portail, je pense qu'on est bien. Tac. Je vais mettre un peu plus bas. De mémoire pour le modère, le boss suivant, j'avais lu qu'il fallait 3 œufs. Mais on sait que les œufs, une fois qu'on en a trouvé un, on peut les retrouver très facilement. Ah bah. Oui, oui, maintenant. Oui, oui, oui. Ah non, oui, non, non, j'ai pas fait en portail, c'est pas ça. Ah non, oui, ok. La connexion portail, normalement. Il est où Jake? Eh ben Jake il est à côté, il mine à côté de moi. Je suis là. Non, ce n'est pas Jake, le kiosque. Il s'est nommé au Wilhelm sur ce jeu. Tiny Chat. Comment ça Tiny Chat? Ça existe plus Tiny Chat. Tiny Chat maintenant c'est bourré de virus et de choses, il vaut mieux pas aller là-dessus. Hein. N'allez pas plus. Je ne connais pas donc... Bah, c'était un service en ligne de caméras où il y avait des conférences, on pouvait, on faisait des karaokés sur Divalis à l'époque. Mais ça avait été racheté, il y a eu beaucoup de pubs, Peggy, voilà. Alors, apparemment, tes fesses manquent à Jorganos. Je t'entends, Jorgen, je t'entends, je te lis. On verra au Sakina. Tu es également un ancien Divalis, ce genre de... Ouais, il était dans la guild Warehouse Sakina, qui était très très active du temps de Cataclysm. Ça me dit quelque chose... Ah oui, sur... ouais, sur... Oui, oui, après, oui. Pas sur Sina, sur Serena. Ah bah non, les guildes actives, c'était sur Sinestra, hein. Oui, Sinestra, oui, oui, c'est vrai. Oui, bah moi j'étais sur Serena, voilà. Dans la guilde active de Serena, côté... Là, attends, non, je corrige, j'étais sur la seule guilde de Serena. Il y en avait deux. Une alliance, une horde. Oui, voilà, c'est ça. On passera te parler avec 16 et toute l'équipe. Ah, avec... T'as toujours contact avec 16? Sérieux? Apparemment oui. Si, alors Jorgen, je te fais passer un message 16. J'ai toujours sa serviette. Ça fait près de 10 ans maintenant que j'attends qu'il la récupère. C'était, on avait fait une IRL il y a très longtemps, bah, il y a quasiment 10 ans. Et j'avais logé quelques Ivaniciens et 16 avait oublié sa serviette chez moi. Ah oui, tu l'as toujours. Attends, non, Imra, non, oh, non, oui, je l'ai toujours. Imra, fais pas ça, on peut. Ça, on peut sauter sur la veine. On n'a pas besoin, il va se casser tout seul. Ouais, mais on va la péter plus rapidement. Non, c'est du one shot hein, s'il se pète tout seul. Hein. T'as plus un boxer, mais il avait jamais laissé le boxer pour moi, il avait juste laissé une serviette. Oh le lag! Oui. Ça a tout pété d'un coup. Alors maintenant, pour récupérer les minerais d'argent, moi je suis fou. Par contre, je suis fou là. Donc, ah oui, je suis fou. Bah, tu crois? Le portail il est dans quelle direction? Vers moi là. On peut pas péter ça? Ah, c'est collé. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le nid de dragon hein, là au-dessus. Ah oui, c'est le nid de dragon, oui. On peut le péter ou pas? Mais, punaise, bah, l'œuf il pourra pas. Enfin, il va pas bizarre. Parce que oui, les œufs peuvent repop dans les menus. Après, au pire, on prend la houe et on remplit de pierre. Hein. Oui, après on vient de récupérer plein. Ah putain, c'est trop cool! C'est bon, on est reparti pour 40 heures de stream! Ah bon, ouais, ça a pété en mode. Ah, moi aussi, hein. Diaporama. Ah, moi aussi, ça a bien pété. On met tout dans. Futur. L'argent dans le métallurgie. Alors attends, argent métallurgie... Obsidienne métallurgie... Oh vache. Trésor... L'œuf dans quoi? Dans le coffre à dragon. Il y a un coffre à œuf de dragon. Où ça? Là, ici. Ah oui, œuf dragon, oh j'avais pas vu. C'est mis... Alors des os ici. Cuir c'est là. Résine, les baies c'est là-haut. C'est quoi ça? L'argent c'est là-haut. Oh, l'argent on peut le mettre en bas par contre. Ouais, ça c'est. Vas-y, tiens, attends, on va checker. Attends. Lag. J'ai chopé de l'os et j'ai chopé des pierres. Ah, c'est trop cool! Tout ça c'est là-haut. Les cailloux, c'est au port. Le port! Monsieur port. Commencez à m'énerver avec le port. Je vais la faire tout le temps. Bah, il y a des blagues dont on ne se lasse pas. Ah oui, non, celle-là. Exactement. Celle-là, non. Le laisser passer A38. Non, le A39. Le A39? Mais on m'a pas mis au courant. Mais non, mais avec l'astriculaire diffusé la semaine dernière. Alors. Hop. La viande et les crocs. Les crocs et les grilles. Oh punaise. Et à chouchamel. Oh punaise les recettes. Quelle recette? T'as récupéré un lingot d'argent? Oui. Ah oui. Ça a dû popper. Jake il est repassé à 2 FPS. Non, ça va. Alors, argent. Attends, donne-nous. On peut faire un coffre au trésor. Mais c'est quoi l'intérêt? Bah, tu mets des trésors dedans. Après, est-ce que c'est cosmétique pour mettre dans les piastres et tout? Je pense plutôt. Bah, ça coûte des piastres, des rubis, 2 colliers d'argent, du bois précieux, de l'argent tout court. Sûrement un coffre ornemental. Ouais, je pense, ouais. Donc à la limite, dans les trésors à vendre, laissez 5 rubis, j'en ferai un coffre trésor pour voir ce que c'est. Ah oui, en effet, il y en a des crafts. Côté Amélio, on va pouvoir faire la table de boucher, côté cuisine. Ouais, let's go. T'as le tien aussi, moi. Ça on a... Ah oui, nombre de recettes, nom de Dieu. Ouais, il y en a la blinde, hein. Et voilà, ouais, côté voilà, amélioration, c'est vraiment la table de boucher. Construction, il n'y a pas grand chose à part ce qu'on a eu tout à l'heure. Et meubles, non. Je pense qu'après, c'est surtout les armures en bas. Ouais. Et puis, on va débloquer plein de choses qu'on aura fait, l'amélioration de table, justement. Ouais. Ah ouais, la table de boucher, par contre, ça va un coup, on pourrait, pour garder l'ancien stuff, mettre des Des présentoirs d'armure, non? J'ai oui. pas compris, pardon. Pour l'ancien stuff, oui. Là, le stuff de fer, au lieu de le jeter, on devrait faire des présentoirs. Ah oui. Tu vois, au moins les présentoirs, oui, on peut les mettre dans la salle... tout à fait. Parce que je dis pas bronze et argent, enfin bronze et haillon, on s'en fout. Mais le fer, au moins... Alors du coup, normalement, on a débloqué également le... pour faire la peau de loup. Oui, et peau de loup nous donne des résistances à la glace. La cape en fourrure de loup. On la débloque où ça? Tu la débloques avec de l'argent. Faut prendre un trophée de loup, peau de loup et argent. Et sur la table de fabrication. De toute manière, avec notre cape de troll, il va falloir qu'on se fasse tous la cape de loup, je pense. Hein. Jambière de loup aussi. Oui, plastron de loup et résistance vers la glace. Ah, mais attends, ça veut dire qu'il y a plusieurs stuffs en fait. Il y a le stuff argent, le stuff loup et le stuff Fenrir. Oui. Ah ouais, oh, croc de drogue. Ça permet de diversifier, c'est cool. Hein. L'arc croc de drogue, il fait quoi? Ouais, là, prochain arc, c'est celui-là. Hein. Ouais, 20 d'argent, 10 de viscosité, corps sensible. Ah ouais, il pique. Hein. Ouais, après ça utilise des ressources qu'on a déjà sauf l'argent, donc c'est bien. Flèche Reaper. Ah, on peut créer des griffes de loup. Tu peux faire les griffes à la Wolverine. Ça c'est rigolo. Il faut des Fenrir Air, des griffes et de l'argent. L'encencro. Oh ça va être pour Wedjos. L'encencro, il faut de l'argent, du croc de loup et des bouts de cuir. Et B. C'est tout en bas hein, pour la... Là, il est joli le stuff de loup. Hein. Ah, on peut changer le style du bouclier de... Du bouclier? Pour le bouclier en argent, le bouclier en bronze... Attends. Le bouclier bandé et le bouclier en argent, on peut changer le style de bouclier. C'est cool. Ouais. Tu sais, si tu cliques sur bouclier en argent, t'as style au-dessus. Oui. Mais je crois qu'on pouvait déjà le faire sur d'autres boucliers. Argivre, une main bâton. Argivre? Argivre. Oh, elle est belle cette arme. Ah, mais c'est un bâton, j'aime pas les bâtons. Ouais, c'est un bâton. Elle est juste belle. Lance en croc. Okay. Hache de combat en cristal. Oh. Ah, une hache à deux mains aussi. La hache, ça en fait des nouveaux items. Attends, c'est pas fini. Ouais, bah oui. C'est ça, c'est que ça nous en fait pas mal déjà. Comme pour la pub, on ne citera pas le nom. Et c'est pas fini. Bah du coup, donc là la montagne là on l'a faite complet du coup. Ah c'est pas, non c'est pas fini là. Ah oui oui c'est vrai, je suis bête. Vous avez ramassé tout l'argent ou il y en a encore? Je viens de faire le trajet, là j'ai plus qu'à déposer ce que je viens de... Ah ben, hop là. Attendez, on va récupérer la pierre, on va réblayer. On passerait en cuisine. Attends, on va réblayer pour l'œuf. Il faudrait une type de jardin. Ça au moins l'œuf il va spawn tranquille. La table de boucher est faite. Oh nice. Ça nous a donné viande de loup séchée et attention, mais le petit régal pour vos papilles du sorbet. Oh. Nourriture élevage. Bonne chance, ça. Imra, c'est ton portail à toi, c'est ça? Oui. Ok. C'est celui-là. Eh ben la vache, on a bien avancé quand même. Ouais. Et où le trou? Ah, il est cool. Ouais, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait dedans. Vous voulez de la pierre? J'ai pris un stack de 200. Bon, au pire, on a partout autour de la pierre, hein. C'est pas ce qui manque. Hein. On est en montagne quand même. J'en ai un petit peu aussi, c'est pour ça. C'est juste en dessous de l'œuf qu'il faut rajouter? Ouais. Tiens, je t'en donne, parce que en vrai, comme ça. Ta potion, Draken. Oui, oui, oui c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a des petits 1 qui partent. Oh, oui, j'ai l'invasion des 1. Ah, la non-invasion des 1. On va appeler la potion Attila. Des cailloux, ça m'énerve. Bah, je détruis le portail, de toute façon, on va rester là. Mm. Est-ce que là, ça sera bon pour le spawn ou il faut que je baisse quand même un peu là? Oh, ça ira. Ça ira. Attends, non, mais non, tu peux remettre la table de fabrication, s'il te plaît? Sinon, je ne peux pas utiliser la... Sérieux? Ouais, il faut table de fabrication et pierre pour monter. Donc là, c'est bon ou... Attends, j'ai quand même... Peut-être creuser là où je suis. Un coup de pioche. Le 6. Ouais, vas-y. Voilà. Hop, comme ça c'est bon? Ouais, je pense, ouais. Bah du coup j'ai 142 pierres. Alors par contre la nuit, le jour il n'y a pas de Fenrir normalement, mais la nuit il y en a. Oui. C'est des Ugudurs. Par contre, j'espère qu'on va trouver plus de donjons montagne parce que s'il y en a vraiment pas énormément, ça va être. Après, on n'a pas tellement besoin que ça, hein, en soi. Ouais, je sais pas. Par contre, pour faire des trucs de déco, ça peut être cool. Oui. Après, si pour le stuff Fenrir, vraiment, si, il y a besoin d'aller dans le bois. Pour les cheveux, ouais. Ouais. Les sangliers se battent contre les squelettes. Oh le pauvre. Là je trouve bizarre ce flanc de montagne, tu vois, je suis pas surpris qu'il y en ait. J'entends une wyvern. Ah bon? Ouais. On peut carrément courir là, perpendiculaire sur les flancs de montagne. Il y a un truc là-haut là. Golem! Attends, j'arrive. Ah, ma pioche! Moi je suis carrément tout en bas là, hein, donc ça va être compliqué de vous rejoindre. Hein. Attends, parce que j'ai la main à droite. Ouf! C'est une bestiole volante aussi. Je l'amène sur une zone un peu plus plate parce que c'est pas agréable. Oh, je prends toute la map. Je suis mort. Je peux pas remonter, faut que je fasse vraiment tout le tour. Putain, sérieux? On a plus de portail. Ah merde, il est portaillé sur son corps. Bah oui. Ok. Bah on peut le ramasser quand même, hein. Oui, ouais, mais attends, une étoile, il y a un Drake sur ma gueule, hein. Putain, bah ouais, mais je suis loin, ça fait chier, je suis tombé et je dois faire tout le tour pour... Ok, loue une étoile gérée. Attends, ça fait chier, faut que... Ouais, t'es spread une seconde. Non, là, j'y vais, non. Attendez, j'essaye de revenir le plus vite possible, désolé. Oui, battez-vous entre vous, c'est très bien, j'aime. Et les hologrammes. Ah oui, non mais par contre, non. Merde, je me casse. Je redescends, je régène et je remonte, hein, parce que là c'est... Oui, battez-vous, Non, pas moi. Non. Ouais, battez-vous le nagrier et le loup là. Bah là, non, moi c'est golem, loup et wyrm. Moi j'ai loup. Un drac. Ah bah j'ai loup une étoile. Je suis mort. Loup une étoile sur ma tronche. Oh non! Oh les gars. Ah non. T'es tout seul, Jake? Ouais, je suis tout seul, mais Ah, j'ai eu... Comment je vais faire? Il y a un truc qui a explosé en face, je supposais que quelqu'un est décédé, une Wyrm ou quelque chose comme ça. Non, d'accord, ok. Les Wyrm sont en train de cracher sur le golem. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Si t'arrives à refaire le portail, c'est nickel. Bah, j'aimerais bien, mais le problème c'est que sur le corps d'Imra, il y a du monde, quoi. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup qu'on attende ou on revient Pour l'instant, je suis pas mort. Mais bon, ça me fait. De toute façon, là c'est la nuit, hein. Faut pas revenir la nuit. Hein. Non, non, non. Notre base. Hein. Juste espérer que. Bah, si tu veux, tu peux récolter les. Il y a des loups pas loin, je les entends, il y en a plusieurs. Oh, moi, il y avait un loup, une étoile qui était bientôt mort. Une étoile, je l'ai eu. Il y en avait encore un sur moi, un nouveau. Ah. Imra, sur la carte, tu peux me guider vers ton corps, je te vois pas. Moi, j'étais en hauteur. Hein. Plus en hauteur, d'accord. Non, je suis mort. Oh. On attend le jour et on revient à pied, on n'a pas le choix. Bon, c'est spread, hein. Il y a un loup, une étoile, un autre loup, deux Wyrm, le golem. Putain. Mais si tu veux, il me rend en attendant, t'as les navets. Non, je le fais pas de nuit non plus. Donc quand je le fais, j'en mets 30 minutes hein, pour le faire. Un peu la flemme. Merde, c'est pas le portail Wed. Mais attends, il fait pas jour. Non, non, n'y va pas maintenant. Mais hein. Non, je voulais aller à côté du portail, mais. Arrête les bêtises. On revient. Vous avez pris les recettes de la cuisine? Ouais, c'est moi, ça me les a débloquées. Ouais. Par contre, j'arrive pas à voir s'il touche les deux chaudrons ou qu'un seul. Je crois qu'il touche qu'un seul. C'était ouais, portail village. Ah mais en plus je suis tout en haut d'une montagne. Oh c'est horrible. Prenez au moins une potion de résistance aux givres. Ouais. Bonjour. Et par contre... C'est portail village et puis on court. Ah, pas le choix. Allez, c'est parti. En espérant qu'ils se sont entretués, que... C'est parti. Oh, on a perdu des niveaux. C'est vrai. Moi, c'est pas le niveau qui m'inquiète là. Ah non, mais on va récupérer notre stuff. J'ai bien peur qu'on meure en boucle là, en vrai. Ah oui, non, oui. On peut être parti pour une belle série de morts là. Un truc pareil. Parce que moi en fait j'ai glissé et je peux pas remonter en fait, j'ai dû faire tout le tour. Parce qu'en plus on avait le diapason. Ah ouais, bah ouais. Moi, on a plus le choix, il faut récupérer le stuff, hein, là. C'est même pas une alternative. Ouais. Hein. Ouais. Du coup, si vous aviez votre stuff full... Oula. Ça passe. J'ai perdu la vie. Non, c'est pas bon. Ah, c'est bon. J'ai perdu 8 points de vie, c'est ça. Au moins c'est Draken qui est content, parce qu'il a poil et court tenu dans les prairies. Ouais. Au moins je peux faire ça, au moins. Je fais cheveux au vent. On peut sécher plus rapidement comme ça. Donc il faut que je fasse tout le tour de la montagne à droite. On est mort sur la montagne par un cheval. Vous voyez le Nyx, une étoile? On n'en voit pas beaucoup. Ouais, il est shiny. Ouais, let's go, ça la Pokéball. Allez, on l'attaque au point. Là. Non, non, non. Faut récupérer mon stuff. Ouais, du coup, si vous avez votre stuff était full, n'oubliez pas de le vider. Hein. Mon stuff était full. Bah si t'avais plus d'emplacement, n'oublie pas de... Ah non, on venait de le vider, on venait de revenir. Ouais, mais bon, on sait jamais. Ouais, on a peut-être tué deux loups. Alors attends, parce que moi du coup il faut que je fasse un autre trajet de bout. Je pense à contourner la plaine par contre. Ouais. Ce serait dommage de mourir par des moustiques. Oui, 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 oui. Pas maintenant, pas maintenant Zinedine, pas après autant de choses. Tu vois, ce qui est bien dans les forêts noires, c'est quand on les pète, on peut faire des dominodés avec les arbres. Tellement ils sont collés. Bon, bah du coup, c'est ici qu'on se sépare, hein, messieurs. Avec gars, ouais. Ah, parce que moi, je dois faire tout le tour complet, en fait. Je peux pas traverser... Sinon, je sens que je vais me taper de l'eau. Oh non, il y a déjà un loup. Oh, alors si c'est un loup une étoile, c'est celui qui m'a buté. Allez, question et on est parti. Oh, il y a un Drake, le golem. Ne fais pas peur. Le pire, c'est que le loup, j'aurais pu le gérer, mais j'avais plus d'endurance. C'est ça qui m'a tué. Il y a un truc à dépop, je sais pas ce que c'est. Mais je peux plus savoir. Un truc volant. Je crois qu'il y en a un autre qui est là-bas. Eh ben. Fais gaffe au loup. Hein. Ah putain. Il est où le loup? Il me suivait. Je crois qu'il est mort par le golem. Pourquoi il a pas voulu récupérer mon stuff complet? Ah putain, parce que. Draken, tu donnes des nouvelles, tu dis... Ouais, ouais, en fait, j'ai récupéré mon stuff et en fait, comme j'avais pas le Made in Jord, il m'a... Ok, donc t'as pu récupérer ton cadavre? Ouais, c'est bon, j'ai récupéré mon cadavre. Ok. C'est déjà ça. J'essaie de vous rejoindre. Ah oui, en effet, il a bien tué le loup et le golem, oui. Il a explosé, quoi. Hop là, on récupère. Attendez, attendez, j'ai le Drake en visu et le golem en visu. Laisse le Drake pour l'instant, faut que le Drake tue le golem. Oh. Il y a un truc qui clignote. J'ai entendu un loup hurler. Attention, le loup il est là-bas, le loup il est là-bas. Oh, mon loup est mort. Putain, mais allez, mais Jord là, active-toi. Il a, ouais, il a perdu 0 PV le golem, hein, parce que on va y aller. Hein. Non mais taper avec la machin. Attendez, je suis derrière vous, j'arrive, je suis derrière le golem. Oh non, d'accord. Ouais. Ouais, par contre ça c'était... Oh, je recule là-dessus, c'est pas bon ça. On recule, on recule. Putain, y'a un autre drac au fond là-haut, j'espère que pas nous... Ok. Ouais, restez focus sur le golem là, on faut se concentrer, faut mixer. Ouais. Maintenant, je finis. Oui, un petit. Oh, je suis mort. Oh, j'ai littéralement 2 PV. Je l'ai tué, j'ai tué, j'ai tué. Oh, GG. William, derrière toi. Oh, mourrez pas, mourrez pas. Du moment que vous pouvez mettre les portails. Aïe. T'es mort, Jake? Cache-toi, cache-toi. 7 PV. Oh putain. Tapez pas les murs, non De quoi? Si, il faut le tuer. Bon. Dès que vous pouvez remettre le portail, je suis en face. Oui, attends, alors attends. En fait, c'est du mytho le truc de perte de compétences. Tu perds 5% à chaque fois. Ah, mais là, tu vois, genre, il y a un effet, si vous mourrez, vous ne perdez aucun point de compétence. C'est du mytho. Parce que t'as un temps après être mort. T'as comme une immunité, comme dans WoW, tu peux pas te faire enchaîner en PvP. Pareil. Mon stuff, mon stuff. Faut éviter que ça soit trop frustrant. Mon stuff, je suis tout nu. Je suis vraiment tout nu là. Bon bah... Floric là. Faut que je range tout mon stuff. Hop, diapason c'est là. J'ai bien voulu aller voir de l'autre côté du petit morceau là, mais... Alors... Un peu dangereux de tomber par là, hein, je pense. Ouais, alors n'allez pas, va pas là, y a rien du tout. Pour le moment, y a rien. Si tu remontes, tu dois tout faire le tour. Y a encore un drac. Il y a une grotte. Ah ouais? Attends, je sais pas s'il y a un effet de caméra. Attends. Caméra. Ah dommage. Je suis gelé sur place. Ah mais non, d'accord, le souffle glacial te fait enlever la... D'accord. Il me fait dépop mon... ma ceinture. Oh, il y a un énorme trou là. Je vois plus rien. Allez. Bah c'est là où on a... Non, c'est pas là où on a construit. Non. Ah si, si, c'est là où on a miné. Oui, c'était là qu'on a miné, ouais, puis je me souviens même plus. Mais ouais, mais du coup, j'ai passé... Oh, du coup, il y a rien d'autre dans la montagne, on va pouvoir changer. Hein. Un peu décevant. cacher tout. En plus, on a la tempête. T'as vu qu'il y avait des champignons dans les toilettes là? Mmh. Par contre, on va pas vraiment dans la bonne direction là. Mais en fait, je m'enlève la tempête pour voir quelque chose, pour voir si sur la falaise il n'y a pas une porte, quelque chose comme ça. Ah, ok. Ça me paraît vraiment cette falaise mal prise. J'essaie de regarder aussi, mais je vois rien. J'ai l'impression qu'il y a un truc, mais sinon c'est juste un effet de caméra. C'est que des cailloux, hein, Jake. On y a rien. Bah, moi j'ai chopé une gelée, c'est tout. Elle est où la prochaine montagne? Donc là, on n'a pas de portail. Donc cette montagne là, elle est clean. Enfin, elle est clean, disons qu'on a terminé. Oui, il n'y a rien du tout. Voilà. Après, on peut aussi retourner TP Village et aller chercher les morceaux de montagne en bas à gauche. Peut-être qu'il y a un truc. Hein. On fait beaucoup de marches pour pas grand chose, mais s'il y a des minerais, c'est pas mal. Faut traverser le marais, ouais. Oui, il y a un marais entre deux. Il y a une belle randonnée qui nous attend, mais... Sur la veine d'argent qu'on a fait, il y avait combien de mineurs d'argent à peu près? On verra, pas compter tout ça. J'ai pas compté non plus. On était pas loin de 100 hein, en vrai. Oh, ah oui, d'accord, je pensais pas. T'es sûr de ça? Parce que j'en ai pas eu beaucoup moi. Après, ouais, vous avez été dur. Parce que là, je crois qu'on est déjà à 6 ou 7 stacks. On comptera, mais on avait pas mal. Hein. Il me semble que le fourneau était presque plein donc. D'accord. On va dire on était à 70 plus au moins. Bah, ah bah, putain, ah bah voilà. Quel connard je suis, mais je suis un gros connard. Pas d'insulte. Oui, désolé. Je suis mort, hein. Je suis mort, non, non, venez pas, j'ai un moustique sur ma tronche. J'étais même pas sur... Oh tiens, une glande gelée. Faut que je passe par la montagne, j'étais collé à la montagne et le moustique m'a tué. Attends, c'est qui peut le voir? C'est moi. J'étais là-bas. Oh, ça me saoule. J'étais sur la montagne, il m'a aggro de loin et m'a tué. En plus quand tu descends des gobelins. Hein. Attends, je vais te dire un loup moi. Faut pas que ça se prête, faut qu'on y aille ensemble. Ouais. J'en ai pu reposer. T'as entendu des gobelins? Oui. Passer par la montagne au pire, parce que là mon corps est sur la montagne. Oui, parce qu'en dessous il y a des fleurs de plaine là, juste en dessous, tu vois. Bizarre. Je vois pas le cadavre. Là non, vous y êtes là. Ah, le problème c'est qu'il y a la tempête, donc le moustique, je peux même pas le shooter, on le voit pas. Non, je vois rien. Et je crois qu'il est reparti, hein, vous pouvez mettre le portail. Ouais, mais reparti, ça veut dire qu'il peut nous re-aggro, et clairement, j'entends des gobelins, hein, c'est pas des blagues. Hein. Ouais, mais de toute façon, ils sont pas loin, ils sont juste en dessous, le village est en dessous. Hein. Mais là, on passe sur la gauche, je vais essayer d'aller dans l'herbe. Hein. Bah, mettez le portail, comme ça je récupère mon stock. Oui, attends. On va avoir une zone safe. Le but, c'est pas de mourir en boucle parce qu'on essaie de mettre un portail. Hein. Oh, j'y vois quelque chose. Portail posé, mais par contre, je suis pas à gaffe. Hein. Est-ce que l'un de vous peut me passer au moins une potion de givre, s'il vous plaît? Potion de givre, j'en ai une. Ah bah non, regarde là, c'est bon. T'aurais dû la prendre dans le coffre à la base, il en restait, hein. Est-ce que si je me mets là, je prends des dégâts? Attends, t'accompagne. Ça va super, pas trop. Ah, c'est bon. Faudrait que la tempête se termine. Hein. Mais plus de tempête. Si, elle revient. Attends. Et moi oui, le truc gobelin est juste en face de moi. Si vous venez. Oui, non mais j'ai vu le moustique aussi. Le problème c'était que je vois plus. On se fait les gobelins ou pas? Juste en dessous devant. Vous voulez vous faire les gobelins ou pas? Non. En vrai on peut, c'est pas un problème, mais il faut juste buter le moustique. Le problème c'est qu'avec la tempête de neige on voit rien. Ouais. La tempête en fait le problème. Au pire vas-y on continue, c'est pas grave. Ah mais il faut récupérer le portail. Ah oui. Là j'ai pas pris de la bouche. Ah, il y a le gobelin, je crois qu'il vient... Ouais, le gobelin s'interroge sur moi. Le gobelin vient sur moi. Je vous le ramène. Gobelin à droite. En tempête de neige, je suis inutile, hein, je vous le dis. Oh, ouais, t'inquiète. Recule, Jake, recule. Ah non, c'est moi, c'est moi. N'essaie même pas de le contrer, hein. Attention, parce que là, il va vers le... L'endurance. Ah putain, je tape tout. Attends, je vais le tac. Je joue tous mes coups. Je peux pas ramasser. Tu voulais ramasser quoi? Ah, y'a rien au sol. Brassier. C'est bon, j'ai récupéré le morceau de son brassier. Moi je serai vous, je prendrai le portail et je continuerai. Non mais le portail je l'ai ramassé, on peut bouger si on veut. Ah tu l'as ramassé, d'accord. Perso moi je bouge. Vaut mieux bouger je pense. Hein. Parce que là on va pouvoir mourir en boucle je pense. Bah non ouais. Parce que la tempête elle vient de repasser. J'ai fait une turbobule à moi tout seul. Hein. Oui mais bon, là t'as un moustique derrière, on a pas mal de stuff. Nous ne mourrons pas pour nous dégoûter. On est même plus dans la montagne et la tempête continue quoi. Quand même. J'ai des loups sur moi. Oh, attends, je dois faire une lingerie côté aggro. Je vais le récupérer là-haut. Mort pas, mort pas, mort pas. Non, j'ai plus tendu. Oh, le champion. On est toujours séparés. Faut qu'on commence ensemble. C'est comme ça qu'on va en boucle. Ouais. Chier, moi j'ai de la pierre qui sert à rien du coup. Là de toute façon on trace, on va aller à la prochaine montagne. Perso moi je retourne au portail, hein. Je dépose des trucs. Parce que là j'ai plus de place. De toute façon on va passer devant. Oui. T'embête pas, hein, Jake, hein. Continue tout devant. On ne crée plus qu'il y a un troll bâton. Histoire d'être le clou du spectacle. Est-ce que la foudre elle peut tomber sur vous? Non. Sauf l'opérateur c'était à côté, faire des dégâts, mais sinon non. Ok. Ah il y a une pierre, j'avais pas vu. Arrêtez-vous voyageurs, vous êtes arrivés dans le dernier le plus anarchique. Odin au lieu de nous observer il fait quelque chose. Il est où? Il a disparu. Il est où le vieux? Il a pas envie d'envoyer un coup de foudre chez les moustiques là. Il paraît que ça fonctionne bien l'été. Ah, t'es tombé à 13h, moi. Ouais, mais je suis déjà ramassé. Et à droite. Vraiment explorer toute la zone là pour le coup. Tu devrais enlever ton bouclier et ton épée, Jake. Tu courras plus vite. Je me sens plus en sécurité en les gardant. Oh oui, non mais je te le dis, c'est si tu veux vraiment courir plus vite. Non, la vitesse de course, je t'avoue que... Je m'en fiche un peu en... Quand tu sautes, vraiment, c'est... Quand t'es dans l'eau, des fois ça bug. Hein. Je vois le portail. Enfin. Dire que de base ce portail je vais le déménager au nord de la zone là. On a bien fait de pas le déménager. Hein. Allez, à la maison. Ah, j'ai chaud. Juste baisser un peu pour la lumière de la caméra, parce que je pense que ça rentre pas mal dessus. Je ferai les retours plus tard. Attendez, juste ça parce que... affichage nocturne. Allume-toi s'il te plaît. Merci. Ça n'aurait pas été marrant si on n'avait pas eu de mort sur notre première montagne. Première vraie montagne. L'argent, on est combien? Eh bien, nous avons eu 64... non, 124 steaks d'argent. Charbon là il est à fond, il n'y a plus. On a 124, c'est bien 124. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'avais dit au moins 100. J'aurais pas pensé. Oula, là le serveur. On a 125 dans le coffre et il y en a encore 8, ça fait 133. Pas mal. Par contre, vu que c'est galère à choper, il va falloir l'utiliser judicieusement quand même. Ouais. Oui. Je pense qu'il faudrait que chacun nous dise quel stuff prend. Ouais. Hop. Alors ça c'est la viande. Et ben on en a des entrailles, on va pouvoir en faire des saucisses. Et voilà pour le coup, hein. On a débloqué une nouvelle recette non, de toute façon avec les entrailles. Yes. Glande gelée, c'est, t'as dit Jake, c'est dans cuisine ou on met dans le futur. Je me demandais si les glandes gelées, on n'en a pas besoin pour les glaces. Mais je crois que si. Si, pour les sorbets, il y en a besoin. Ok, dans ce cas, on va les mettre dans le coffre gadou viscosité. Gadou viscosité. Et on va faire une ligne glande jolie. Ok. Je les ai récupérés d'en bas. Franchement, ouais, c'est pas bête. Ouais, ça, je te le mets. Son brassier, on peut pas le... faire tout de suite. Si vous avez les compos, faire des potions anti-géo. Les mettre dans le coffre hydromel. Ça dès qu'il y en a qui sont terminés. Coffre charbon, miel, poche de sang et des nagris. Tu veux des nagris? Attends, je te ramène des nagris. Je te ramène 100, ça te va? Ouais, vas-y. Oui, d'accord. C'est quoi ça? Faudrait qu'on forme des sangsues à l'occasion dans les marais. Ça marche. On va mettre des piastres. Oui, c'est quoi qu'il faut faire pour le coffre personnel? Fer et bois précieux. Ah, on peut faire des... Oh là, lit dragon. Qu'est-ce que c'est que ça, lit dragon? Oh, ouais, c'est stylé le lit dragon. C'est un lit double place. Mais t'as déjà mis des trucs à fabriquer en fait. Oui, non, mais c'est les préparer dans le coffre que. Parce que eux c'était bien au début du stream. La vache, le lit dragon il est stylé hein. Oui, c'est une personne. C'est à une personne le lit dragon? Oui. La vache, on dirait pas. Hein. Donc, on va pouvoir faire de... en vrai hôtel non? Faire une... Ah mais c'est le but. Je sais pas où exactement ici, mais il va falloir faire un hôtel. Où et il faut du bois précieux. Merde. Pour mon coffre 10. Ouais, je pense que vu l'heure, je vais couper le stream là. Ok. Hop, petit coffre. Je vais faire mon coffre précieux. Je les avais mis derrière, ouais. De toute façon, on a montré le plus important, là on a découvert de nouvelles choses en plus, c'est cool. Ouais, franchement, je pense qu'on a découvert pas mal. Hein. Ouais. Moi j'ai rempli le coffre hydromel. Cool. Eh bien, hop, on va se arrêter là. T'as fait ton coffre du coup? Ouais, j'ai mis derrière mon... Moi, il n'y a que 6 emplacements, je suis déçu. Ouais, il n'y a pas énormément d'emplacements. Mais bon. Hop, petit OBS. Eh ben, on a quand même pas mal... On a carrément bien avancé. Je suis content qu'on ait trouvé le donjon dans la montagne. Oui. Comme ça, on a le prochain. Puis c'était cool. Du coup, pour les prochains streams, alors n'hésitez pas à suivre Ivasound Studio sur nos réseaux sociaux, car il risque d'avoir des petits streams sauvages dans la semaine, oui. Pour ma part. Alors, sûrement sur du Valheim, il y aura sur un stream sur Pyjama Sam. Ok. Et peut-être commencer Bioshock Infinite. Ah oh. Bah ouais, je pense qu'on... Sur la... C'est le 2? Non, le 3. T'avais pas fait le 1 la dernière fois? J'ai fait le 1, le 2 je l'ai pas. Ah t'as pas le 2? J'ai pas le 2. Ah, mais faut le dire ça. Non, 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 c'est... Le 2 c'est celui que je préfère le moins. D'accord. Donc après Bioshock Infinite c'est tant qu'on a fait le 1 on n'est pas obligé de faire le 2. C'est dommage de faire de passer du 1 au 3. Parce que c'est lié en fait. Bah après je peux faire le 2 après, hein, c'est pas gênant. Hein. Si tu l'as pas, j'irai chercher une clé quelque part. Oh, mais bah, je regarderai avec quel prix. Non 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 t'inquiète. Mais bon ouais, du coup il y aura peut-être du Bioshock semaine qui arrive. Donc n'hésitez pas à suivre Ivasound Studio sur notre Twitter, notre Instagram et notre Facebook, nous rejoindre sur le Discord, follow la chaîne et vous abonner à la chaîne si ça vous dit. C'était Draken, Jake et Imra, et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Bisous. Cordialement bisous. Ne vous followez pas, je viens chez vous et je rentre vos cauchemars. Allez, ciao ciao.